Et salut à tous et bienvenue, je suis Nectarquise pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, et que vous n'avez pas aussi chaud que moi, pour cette petite soirée FF14, en tout cas petite partie de soirée FF14, puisque Event de l'été qui a démarré aujourd'hui. Voilà, pour une fois, on le fait le jour de la sortie, ça va changer. Et on va surtout découvrir ce que c'est, puisque je me suis pas du tout renseigné, j'ai pas vu, j'ai juste vu les objets que l'on allait récupérer. Ils sont plutôt stylés. Et puis disons-le, je pense qu'on est clairement en présence d'un event où je vais le faire avec tous mes persos. Pour récupérer ce qu'on va récupérer avec tout le monde, donc ça va être cool. 30 degrés chez moi, oh la chance. Ah oh, c'était 37 hein. Et demain 38. Bonheur. Mais salut Tina, salut à toi, salut ceux qui arrivent, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Blue, salut Midian, salut à tous, j'espère que voilà, vous allez bien. Salut Dragon, ça va bien, merci, et toi? J'espère que vous allez bien. Et puis ce soir, première partie de soirée où on va faire l'event. Et en fonction de l'heure à laquelle on finit et à laquelle Hello finit derrière, très probable petite session de tournage qui sera sur Mass Effect. Voilà. Ce sera plus tard dans la soirée. Hein. Bref. Let's go. On va aller se mettre en vocal parce qu'on va évidemment pas faire cet event tout seul. Parce que sinon ce serait pas drôle. Ta-da-da-da-da-da. Allô, bonsoir. Allô. Mais vas-y, il m'a encore remis le paramètre par défaut là. Allô. On se va casser les couilles hein. Ah, ça veut dire que je peux dire de la merde, il entend pas. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, si j'entends, suffit maintenant. Ah merde. Bonsoir. Bonsoir. Le petit drague Alim Salominsa. Non. Comment ça, ça drague Alim Salominsa? Qu'est-ce que c'est? Balance les dossiers. Blue qui se fait draguer, en tout cas, Alim Salominsa. Ah. Mais tu l'entends pas taper? Ah si, si, oui, je l'entends bien taper, là, oui, pour le coup, oui. Bah là, il drague. J'aime quand ça tape. Il y a une nana juste à côté de lui qui est en train de lui faire du grain. Ah. Mais oui, mais c'est Potisha. Ah, qui peut être taquette dans ta gueule, hein. Elle aime quand ça claque. Bon, comment allez-vous? Bien, toi? Jean. Ah non, c'est une idée. Mais sinon, ça va très très bien. Et toi, Midian, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. C'est vrai. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Ça... Tranquillement. Je me remets de mon déménagement. Oh, t'as déménagé? Oui, ouais, début juin, ouais. D'accord. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Ça fait un moment. Bah du coup, ça va. Et toi? Bah moi, écoute, impec. Hein. Bah, à part la chaleur, nickel. Hein. Ça va, impec. Et puis maintenant j'ai une nouvelle gourde en forme de chope, donc je suis le plus heureux du monde, et voilà. Il en faut peu pour satisfaire un homme. Ah exactement, non mais je veux dire, attends, une gourde qui garde la boisson au frais et qui est en forme de chope de bière, je veux dire, voilà. C'est trop bien. Il m'en faudrait une comme ça. Ah mais c'est beaucoup trop cool. Bah, c'est gadget tout ça. Écoute-le, lui. C'est la jalousie qui parle. Non. Oui. Si. On l'entend, lui. Ah non. Si c'est que ça, je t'offrirais une chope, c'est pareil, hein, je veux dire. Ouais, c'est gadget. C'est qui les deux personnes avec nous? Eh bien, tout simplement, c'est Blue et Midian. Parce que ça fait longtemps et que c'est toujours plus sympa de faire des events ensemble. Non, le doigt. C'est vrai que ça fait un moment que... Ouais, des doigts.
Mais bah oui, ça fait un petit moment, et puis, faut qu'on s'en arrête. Hein? Voilà, faut qu'on fasse des trucs. Ah, mais en plus, ça a déjà fait les 20 là-bas, là, je vois. Ah, je crois que tu l'as, gros. Ah, ouais. Faut savoir que cette côte est toujours entourée de plein demi-côtes, et du coup, ça m'étonnerait pas qu'il gagne un œil sur toi. Ah bah non. Pas encore. Si. Elle. Mais. Ça là va. Mais tu vas te calmer ou pas? Tu te calmes. Non mais oh. Ah oui, c'est vrai, le queen comme ça. Ah oui, j'ai oublié ça. Ah mais de toute façon, cette voix a le meilleur rire de l'univers. Vas-y, rigole un coup, là, je... C'est rigole un coup. Ah bah ça, c'est vas-y, pas rigole comme un ça. Coup. Ah oui. Mais oui, il est trop mignon. C'est vrai qu'il est cool. Ouais. Ça c'est validé. Merci. C'est fou comme ce jeu, ça tourne très vite au n'importe quoi. Hein. Ouais. Hein. Moi j'aime bien. Ouais, il fait chaud. Est-ce que ce jeu on peut jouer à plusieurs ou on peut jouer tout seul? Oui, tu peux totalement jouer en groupe ou en solo. Absolument. Pourquoi quand j'arrive ça part en... Salut Zeclem. Non mais ça c'est parce qu'il y a Midiane. Eh oh ça part en... ça part en rien du tout. C'est comme ça quand j'étais arrivé. Y'a rien fait. Ouais mais ça c'est parce que Midiane est arrivé avant toi du coup. Bah c'est ça. Mais... Je... C'est inadmissible. Allez, je vais le dire parce que pour une fois, c'est la faute de Midiane. Voilà. Mais c'est toujours la faute de Blue en plus. C'est pas vrai. Mais si, mais j'ai des témoins. C'est la faute de Blue, c'est Blue qui drague. Ah non. Si. Ah non. C'était pas une question. Je t'ai dit. Ça pour moi. C'est elle. Mais non, c'est pas. Mais Et où? Que c'est que ce langage? Aïe. Ah, ça m'avait manqué, tiens. Attention le doigt. T'as mis le claquasse. J'avoue que... Elle m'en a même mis deux. Parce que nous, mais on moi, aime moi, le je la fais jubiler. Pardon. Quoi? Pardon. Elle vient, ta Tisseline, ou pas? Non, mais y'a personne qui répond sur ce channel. Ils sont relous, là. Mais oui, non, mais j'avoue... C'est les compagnons de stream, mais qui font jamais de stream. C'est ça. En même temps qu'il y a l'idée, je veux dire, bon... À Midiane. Tu as ? Hein ? De quoi ? Allô ? J'ai répondu, moi ? Ouais ?
Exceptionnellement, ouais. Oh, exceptionnellement, non. Moi, j'étais chaud patate hein, pour du DBD il y a pas longtemps. J'avoue. C'est vrai. Pardon. D'ailleurs, cette semaine, si c'est pas vendredi, ça devrait aller. Ouais, ok, bah, pas de soucis. Faut voir avec les autres, mais... Bon, et si on faisait un event, il paraît qu'à la base, on était venu pour ça. Ouais. Ouais. Mais elle montre du doigt. Tu veux dire comme ça? Non, pas celui-là. Ah. Pas ce doigt-là. Attends, je sais plus c'est quoi l'emote, c'est un truc que tu as en PVP. Merde, c'est quoi? Il trouve plus son doigt. C'est quoi le doigt du PVP? C'est quoi le doigt qui te permet de faire du PVP? C'est le majeur. Parce que bon, moi, toi... Ouais, c'est vrai, ça permet de déclencher des combats. C'est vrai. Tu prends l'agro avec ça, ça te sert de provocation. Accompagné d'un canard. Ah, Blue, t'as encore pris l'agro. Non. Ah non, c'est pas moi. Non, je crois que c'est moi, là, pour le coup, mais... Alors non, ça c'est pour claquer, non, c'est pas le doigt c'est du pas le doigt, ça c'est... Qu'est-ce que tu claques comme ça, Blue Blue? Oh, si tu savais. Et vas-y, là, c'est... Ça? Non, ça c'est pas le doigt, ah, ça. Ah non, c'est pas ça. Ah, ça c'est pour faire le petit chat. C'est le petit chat. Alors Blue a fini de se faire draguer. Non, bah, il est encore en plein dedans, là. Il cherche le doigt, là, actuellement. On fait... Ouais, ouais. Je le retrouve plus. Bon, je fouille, hein, mais... Il cherche son doigt, pense. Je ne sais plus où je l'ai laissé. Je ne me rappelle plus. Bon, Mais PTDR, t'es qui? Ton plan de ce soir, c'est barré, Blue. Hein, je suis désolé de le dire. Ouais. J'ai pas récupéré mon doigt. Hein. Oh mon dieu! Ah ouais, c'est barré avec, fais chier. Ok. Ok. Très bien. Ah, je m'auto-tue, au secours! Charité, Chafouine, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, tiens, de l'argent. Non, c'est, pas, c'est toujours pas le doigt. Give me money. Mais vas-y, c'est quoi dans spécial, peut-être. Ah, c'est le doigt spécial. Ah oui, c'est très très spécial. Pétale. Ah ça, j'ai pas les pétales. Par le pouvoir des fleurs. Oui, bon, ça va. Non, j'ai pas de fleurs non plus. Ça, pas du tout. Non, ça c'est pas le doigt. Ouais, vas-y, nettoie-moi ce bazar. Hein. Et coucou Sakura et coucou Tatislin. Comment allez-vous? Tatislin, pourquoi ça répond pas au message? Non, normalement je... Et coucou. Toi, tu vas me balayer dessus. Hein? Oh, comme ça, devant tout le monde, comme ça, ou... Ah, je la trouve plus. Oui, c'est ça que je cherchais, mais je la trouvais plus. C'est les pinceaux. Et j'ai toujours pas trouvé mon doigt. Ah, c'est un pinceau. Ah, il en fout partout. Ça va nettoyer. Tiens, en l'honneur de ta shop. Oh, j'avoue. Mais où est alors le doigt de... Ah oui, mais il cherche son doigt, justement, Blue, là.
je l'ai, mais c'est quoi encore pour sortir la chope là pour boire un coup. Trinqué, ouais. Merci pour la chope dans la tronche. Santé. Non mais quel message, explique-toi petit Blue. Sur Discord. Je te jure, hein, ta Tiskine, elle fait zéro effort. Quand je te dis que c'est l'élève qui s'assoit dans le fond de la classe à côté du chauffage et qui glande rien, mais je décode pas. Hein. J'ai bien une idée de où il est, mais je pense que Blue le saurait s'il était là. Oui, ça se sent. Hein. Ouais, minimum. Non, ça c'est pas le doigt. Non, c'est pas un doigt non plus. Ah, c'est le doigt. Ah, c'est il a retrouvé son doigt. Il était coincé. Ah, du coup, il était bien coincé, le doigt. C'est bien ça. D'accord. Ça fait mal. Tatisline, je te déteste, sache-le. Ah, elle fait le chat. Et il était coincé où? Tu ne veux pas savoir. Dans une poche de ma poche. Putain, t'as une poche avec des poches. Exactement. C'est vachement pratique, hein, on dirait pas, mais... Ah, mais j'en doute pas. Aïe. Bon, du coup, Tati Slade, ça vient ou ça vient pas? Ah, ça... Non, non. Non, t'avais pas le doigt. Ah, miaou. attention avec tes doigts. Hein. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle voulait juste m'emmerder. Ah, très bien. C'est quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça. Hein? Pourquoi? Pour faire le chat? Oui, je sais plus ce que c'est. C'est insister. Ouais. Mmh. Je sais plus où on la débloque celle-là, mais. Ah, je l'ai pas! Bah, je fais pas le chat, voilà! Alors. Yes! Ah! C'est Tatisline! C'est Tatisline qui arrive! Tiens! Koblou, tu vas vraiment passer une sale soirée, hein? Non! J'en ai rien à faire. Mais oh, c'est quoi d'agresser les gens comme ça? Je veux des solidarités, c'est pas moi. C'est... Ça oui, bah, je vais te faire de solidariser d'un truc, moi tu vas voir. Hein. Déjà je suis de toi-même. Hein. Moi j'ai tout vu, c'est lui. Non. Et puis c'est un peu là aussi. Si, après. C'était lui, ouais. Surtout lui. Je tiens à dire. Non, c'est par là. Et ça se règle dans une ville et ça dit rien. Hein. Oh mais oh. Comment ça? Ça fait plus que slacker là, ça drague aussi. Oui, j'avoue, en plus ça se fait draguer. Oui, ça, c'est la de blues, oui. Là. Ça slack et ça claque. Ah. Oh là là. Du coup, ça se claque. Ça se claque. Blue, t'as retrouvé ton doigt? Oui. Quand je crie du cœur. Oui. Oh oui, j'ai mon doigt. Oh, j'ai mon doigt. J'ai retrouvé mon plus. Doigt enfin. C'est déjà très chaud ça, chier. Alors que si tu avais une chope isotherme. Ouais, je déjà. Il me faut tellement cette émote. Ah oui, comme ça. Faut que j'aille voir Mimi. Oui, mais oui, on peut la voir maintenant. Je suis là. Avant elle était là, mais bon, on la voyait pas, du coup, bon, c'est chiant. Bah maintenant vous me voyez. On dit des copicoformes en plus. C'est vrai que tout à l'heure j'ai cru que c'était Islin, mais il y a un truc. Voilà. J'arrive. Tu vas voir. J'ai pas son cristal. Non mais. Hein? Comment ça elle a pas son cristal? J'avais pas vu son cristal. J'avais pas vu le cristal. C'est tout du coup. Est-ce que j'arrive à vous trouver? Vimsa le Minsa. Si tu suivais le live. Tu nous trouves. Écoute, mon gars, je viens d'arriver, tu vas te calmer, hein. Mais oh.
Ah, on va baisser d'un ton, voilà. Tu laisses la dame parler. Non mais on est où là? Vas-y Mimi, je t'écoute. À côté du maelstrom. Vas-y Mimi. Allez, au revoir, ouais. C'est barré, hein. Ouais, à plus, hein. Des bisous, hein. Bande de jaloux. Je crois que j'en ai déjà plein le cul de cette musique. Ah, toi aussi? Ah, on montre pas du doigt, hein. Ah, alors c'est pour montrer du doigt comme ça, je veux bien. C'est marrant, le style presque pareil avant de changer. Qu'est-ce que... Ah, c'est ta Teslin! Mais... Ah. Mais on va pas à la plage comme ça! Ah, j'avoue que là, bon... Pardon, excusez-moi. Ta Teslin, va à la plage en cuir. Genre cuir, cuir moustache. Je ne veux pas savoir où est la moustache. Ah, ça va mieux comme ça. Ah, bah voilà. Ah, j'avais gardé les bras de chaque côté de la culotte. Pardon. Hein? Ah, tu veux voir? Oui. Vas-y. Montre-moi tout. Regarde, profite. Putain. J'ai tout vu, c'est une coupe afro. Incroyable. T'as vu? Moi, je vais aller là-bas. Ouais. Je... Et si, genre, on allait à la plage et on allait faire des puzzle jump et faire jouer avec des bombos et faire des trucs? Ouais, on fait ça carrément. Ouais. Parce que... Au secours. À l'aide. Je prends la quête, hein, plus, hein. Pensez tout ça, à prendre la quête avant de vous TP. Ouais. Oui. Je vais rafraîchir. Le titre de soirée, c'est vraiment une histoire de doigts. Mayaru Moryu. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah, c'est le nom du PNJ. C'est Mayaru. C'est Mayaru Moryu. C'est... Pardon, mais Wow. Il est... Alan. Oui, quoi? Mais non, mais allez, il s'appelle Mayaru, et du coup, ben, je pense à Mayar, et du coup, ben, non, pas du tout. Le maître. Mayaru. Aïe, aïe. Dis donc, Isline, t'as fait ta pigeonne, toi? C'est pas que ça. Mais elle fait sa pigeonne sur tous les jeux. Sérieux? Tu peux parler, toi? Ben, je ne suis pas comme ça. Bien sûr. Non, mais on le sait que Isline est une Yonkli, vraiment. Ben, évidemment. Non, mais ils sont trop méchants avec moi. Tu te rends compte? Ouais, déjà, c'est faux. C'est déjà. Moi qui lance le sujet, alors bon, je vais rien dire, mais. Déjà, on est pas méchants, on est réalistes. Du coup, je vais prendre mon petit chocolat d'amour. En fait, non, pas lui. Voilà. Tu peux pas monter sur mon gros serveur? Ouh. Alors, si tu proposes comme ça. Et même que si tu le caresses, il fait greu. Voilà. J'ai ma tête. Il gregrote très bien. Oh putain, mais je savais que ça allait être terrible, mais Ah bah évidemment. Ah bah oui. Bah là, tu mets Midian et Isley ensemble, c'est fini, hein. Je vois pas. On est d'accord, hein. Mais tout de suite, c'est notre faute, on a rien fait encore. Encore. Note-le encore quand même, hein. Ah ouais, je l'ai très bien noté. Parce que d'habitude, Blue, il passe sa vie sous une table, alors écoute... Alors non, déjà, c'est arrivé qu'une seule fois. Déjà, on était obligé de passer sous la table parce que c'était très chiant. Ça captait pas. Du coup, il y a eu un passage sous la table pour connecter l'antenne, voilà. Ça arrive. Exactement. Non, mais de toute façon, j'ai envie de dire à certains dans le groupe, là, ils vont passer sous la table aussi. Hein, je suis désolé de vous le dire, mais bon, ça va arriver. Hein. Bah oui, Blue, encore une fois. Ah oui? Non. Ah, si tu savais. Pardon? Hein? Pardon? Je sais pas, j'ai entendu un truc là, je.
Les interférences. Hein. Ah, c'est drôle, c'est assez chelou. Hein, je... Ah, non, très chiant. Hein. Flippante les filles. Ah non, mais Sakura, je suis bien d'accord. Hein. Que nous, là, pour une fois, merci. On est sages. Ça, merci pour une fois de nous soutenir. Oui, surtout pourtant, ça, ouais. Blue, il y a pas 5 minutes, il était en train de se faire draguer le cul, quoi. Ouais, j'avoue. Eh oui. Je te rappelle que elle a fait le chat devant toi aussi, hein. Oui, mais elle l'a fait plus souvent devant toi, quand même. Puis de base, ah, c'est toi pas, qui non. l'a, gros. Oui, bah forcément, il y a que moi qu'elle connaît, donc... Avec ton petit cul tout blanc. Je te merde, je te merde. Il fallait venir à ce sujet à un moment ou à un autre. Ah bah ça allait arriver, hein, de toute façon. Ah, mais j'ai l'impression que c'est le nouveau point bleu quoi, au secours. Hein. Ah mon dieu. Ça me fera toujours marrer que c'est une bretonne qui me dit ça quand même. Hein. Et nous, il y a la canicule, on a dépassé les 40 degrés. Alors, oui, c'est oui. Waouh. T'as allumé le four dans l'appart ou comment ça se passe? Non. Là, ça fait un moment qu'il a pas plu en vrai chez nous. Là, ça fait bizarre. Tu m'étonnes. Pareil. Aïe, aïe. Bon, du coup, l'event, hein, tout ça. Ouais. Cette charroturière, ça chauffe par ici. Ah oui, bah, faute de Blue, il paraît. Et nous, on vous attend. Hein, hein? Patiemment. Quoi de plus normal, c'est la saison des feux de la mort. Il fait tellement chaud. Les feux de ces grands morts. Ah bah oui. Il fait tellement chaud que je vais vous épargner l'historique de la fête et entrer directement dans le vif du sujet. Au cas où vous ne seriez pas au courant, notre événement est devenu une plateforme de choix pour la promotion de la Guilde des Aventuriers. Cette année signe le retour d'une attraction que les festivaliers réclament à corps et à cri, va y avoir le feu. Je sais que ça vous intrigue, c'est écrit sur votre front. Armaga. Quand t'as ça, si vous désirez plus d'informations. Go. Armaga. H-A-E-R-M-A-G-A. D'accord. Armaga. Go. On l'appellera donc Baga. Au fond, on sait tout ce que c'est Thierry. Ah, j'ai toujours voulu tester. Je. Bah vas-y, teste. Je t'en prie. Comme ça, je fais transport en commun, tu vois. J'avoue. C'est combien le ticket, madame? C'est 2 euros l'unité. D'accord. Est-ce qu'on peut payer en nature par Blue, s'il vous plaît? Tu veux dire qu'il passe encore sous la table? Mais c'est tendre, là. Elle va la bouffer la table. C'est beaucoup trop stylé ce truc. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Du coup, tu vois, c'est voilà, c'est ça maca. C'est chiant, c'est maca. Ouais, ouais. Dites-moi parce qu'on m'a dit qu'il y avait un peu ce job quoi. Pas au plus sérieux. Je te rassure. Moi aussi là, je suis en pleine comment. Je sais pas si on peut dire que je suis. Il y a pas de TP pour aider du coup. Ah non, là, c'est tu de ta merde. Oh. Je sais que tu viendrais. T'es là pour la fameuse attraction, toi aussi, pas vrai? T'as vu cette structure? Ah là, ça va, ça va. Est-ce que t'as vu cette tuture? La tuture? La tuture. T'as vu la tuture sur la plage? Ah oui, ils l'ont changé en plus. Mais trop stylé. Et tu me vois, maman, je suis toute au sommet. Non, c'est faux. Je n'y arriverai jamais. Je parle bien sûr de pas, c'est de pas dans le tas, alors voilà, d'accord. Bon, titre. C'est pas que je t'aime pas, mais... Oust. Waouh, là, il y a des gens qui se baladent à poil ici. Quoi? Où ça? Bah, sur la plage. Sérieux? Ça peut... Attends, j'arrive.
On sent tout l'intérêt de Mimi. Ah oui. Elle est pas très bien quand même. Hein. Elle a déjà sorti l'appareil photo. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas pu le mettre en place, mais un bon nombre d'aventuriers et d'aventurières avaient hâte de le retrouver, alors il est de retour. Attention, oui. C'est plus qu'un simple retour, tu auras droit à de Allez, nouvelles sensations fortes grâce à l'ajout d'un parcours inédit. Il est moins sportif que le précédent, mais va pas croire que c'est joué d'avance. Un tas d'explosifs développés par un ingénieur du Goldsauser et un certain spécialiste des bombos ont été placés sur le chemin. Va falloir faire attention au rythme des explosions et au souffle qu'elles produisent. Tous tes talents d'aventurière seront mis à rude épreuve. Lance-toi donc si tu t'en sens capable. Je suis un PNJ. Ok. C'est la révélation de ce soir. En fait, je suis un PNJ depuis le début. Je suis contente d'être un PNJ. C'est parfait pour l'espionnage. Et du coup, est-ce qu'on peut quitter? Synchro quand même, hein. Ah, bah c'est marrant, moi sur mon écran, je suis à fond synchro par contre. Ah, bah du coup, ouais. Bah c'est... le serveur. Oh, GG Clem pour level 23 et Midian level 54. Oh, j'ai la puissance. Le GG. On brûle de motivation à ce que je vois, mais au moins t'es pas une casse-cou comme l'autre là. J'ai eu très peur de cette phrase. Si seulement il pouvait prendre exemple sur toi. Oula. Enfin, je vais dire oui, bien sûr. Ouais. Ah, c'est rien, je repensais juste à un de nos participants. Je veux dire que son cas me rassure pas des masses. J'aimerais te confier une mission, reviens me voir quand tu auras un peu de temps à me consacrer. Je suis là. Du coup, je suis là toujours. Je te remercie pour ton aide, tu vois, il y a un petit débutant à qui j'aimerais que tu serves de modèle, enfin c'est pas... Non, Ah, tu le connais... Ah c'est Rofoltia. Ok. Il était avec sa petite sœur. J'avais complètement oublié son nom. J'avais totalement oublié son nom aussi, mais... Il a gagné un peu d'expérience depuis l'autre fois, mais il y a un problème. En clair, il s'y croit un peu trop, mais enfin, on va le voir directement. Ce sera plus simple, il devrait être au nord de l'île avec sa sœur. C'est bon, peut-être brûlé, mais il a de l'avenir, j'en doute pas. Tu peux t'y prendre comme tu veux, mais fais-le revenir sur le droit chemin, je compte sur toi. Coup de pied au cul, ça va passer, hein. Bon. Et du coup, cette histoire de PNJ... Ah, oui, d'accord. Mais quoi? Moi, j'ai eu ma meilleure vie de PNJ. Par contre, PNJ, il est pas synchro, là. Mais moi, sur mon écran, je suis hyper synchro. Il est synchro, là. Elles sont sympas, les danseuses, ici. Tu vas arrêter de tourner autour, là? C'est pas de la marchandise, oh, quand même, hein? Oui. Wow. Mon cul n'est pas aussi blanc que le tien, de toute façon. Ben, ça reste à prouver. Tiens, de l'argent. Eh oh, mon cul n'est pas à vendre non plus. Un peu de pétales dans la vie. Oh, des pétales de rose. Exactement. Pardon, dit de rose. Ouais, ouais, ça se fout de la gueule des Toulousains ou je rêve là? C'est un pote de micotte! Bah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est les Toulousains qui disent rose. C'est toute petite choupette! Pardon, je... J'adore les feux de la barbe, mon grand frère a accepté de m'amener avec lui, je suis trop contente! Bon, je vais essayer de retenter le machin là-bas là. J'ai hâte de vous revoir, Nilan. C'est un vrai plaisir. Mais j'ai dit bonsoir. Ma chère Nilan, ici, je suis super content de vous revoir, moi aussi.
En fait, j'attendais votre venue pour vous annoncer une grande nouvelle. Je suis plus un débutant, maintenant je m'occupe même d'autres aventuriers. Ah, mes copies normales, vu ma fulgurante progression. Ah, je t'ai une oreille! Ah, laissez-moi vous présenter mes chers disciples. Encore de simples novices, depuis que le boss nous a sauvés, il nous a pris sous son aile en tant que disciple. Il n'a jamais eu que votre nom à la bouche, c'est un honneur de vous rencontrer. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous, ravi de vous rencontrer. Et donc, vous êtes là pour cette fameuse attraction, je suppose? J'ai hâte de participer à Pas dans le tas, alors voilà. Il y a un nouveau parcours, mais j'ai rien à craindre. Après tout, j'ai réussi le précédent alors que j'étais un petit nouveau. Je vais terminer ça les doigts dans le nez, même sans m'y mettre à fond. Vous verrez tous à quel point j'ai la classe. Encore une histoire de doigts? Mais c'est pas vrai. Mais tout tourne autour des doigts. Ah, oh. Allez. On tente. Cette fois, ils sont dans le nez. dégueulasse. bah bon courage, hein. C'est honteux. C'est honteux. Pas la peine de m'encourager, j'ai pas besoin de ça pour terminer le parcours à la perfection. Mais je vous remercie quand même, je suis super heureux d'être soutenu par celle que j'admire. T'es sûr que ça va aller? T'es bizarre en ce moment. Ah bah raté. Ça a fait paf, Islim. J'ai même pas besoin de suer sang et eau pour remporter la victoire avec panache. Oh là là, ça promet. J'aimerais que vous me puissiez. Beaucoup d'humour. Relevez ce défi avec brio parce que je vous admire plus que quiconque. Venez près de la ligne de départ si vous êtes d'accord. Oui, j'arrive. J'adore les chutes. Ouais. On sait qu'il va se viander, hein, donc voilà. chute devant. Le boss devrait s'en sortir, enfin j'espère. Franchement, si je me connaissais pas, je savais déjà que c'était moi de faire. Venez voir mon frère avec moi, s'il vous plaît. Tiens, je vais essayer le truc des bombes. Ça a l'air sympa. Hein? Il y a un côté avec des bombes, là. Ça a l'air rigolo. Écoutez. Bah là-bas, là. Ah, celui-là. Mais oui. Ça a l'air moins dur que l'autre, non? Ouais, j'ai l'impression. Oh, ça pue, là. Oh, j'ai l'impression. Oh, ça pue, là. Non, mais ça va. Regarde. Hop, là. Oh là 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 là. Easy. easy. Beaucoup moins easy de ce côté-là, là. Tellement. Hop là, hop. Hop. Quoi? Le parcours est vraiment gigantesque. Où est Fuel? Je suis trop petit, je vois rien. Ah, ça m'avait manqué, ça. Les fameux crémidianes. vous l'attendiez tous, pas dans le talon, voilà, enfin commencez. Je viens pas te chercher, tu m'en veux pas, hein? Je suis pas ta faim. Listening, je croyais qu'on était copines. Ah ouais, on est copines, mais là tu te démerdes. Je savais pas que ça faisait cet effet là, les bombes du coup. Nous vous relaterons les événements du parcours en direct. Attends, j'arrive. Non mais c'est bon, je suis là. Ah merde. Dans ce voilà, porteur, Fultia, d'autres participants. Ah bah, je te laisse la parole. Oh, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre là. Il est motivé et bouge plutôt bien. Oh, il bouge bien. On dirait qu'il est en parfaite condition, cependant il semble légèrement tendu. Il bouge bien, il dit ça parce qu'il l'a vu au club à El Mort. Ah. Sur la poignée. Il bouge bien. Fais voir, t'es boyé bien, toi. Je te verrais bien avec des couilles sardes. Il est trop simple, celui-là. J'espère qu'il donnera le meilleur de lui-même. il s'est lancé vers le petit geyser. Oh, il y a un toboggan. Non. Vas-y, je veux. Il l'a vu à la salle de sport, mais oui, c'est ça. Il se laisse porter par le jet d'eau et son atterrissage est parfait. Rien à redire sur sa forme, il a atterri avec splendeur.
Faut dire que le bougre a pas mal d'expérience, il sait se débrouiller. Attends, quand j'arrive. Oui. Pardon. C'est bien, on va pouvoir étoffer notre soundboard avec Mimi. Ouais, j'avoue. Faut prévenir le Joker, hein, parce que bon... Faut plein de cris à récupérer. Alors voici maintenant à l'embranchement entre l'ancien et le nouveau parcours. Je me suis chopé celle-là. Que penses-tu qu'il va choisir? Le nouveau parcours demande de garder son sang-froid face aux nombreuses explosions, cependant le zèle de notre participant reste un peu inquiétant. Je pense qu'il choisira l'ancien parcours, plus avantageux pour lui. Il va évidemment faire le con et aller dans les explosions. Ça fait boum, c'est marrant. Il se remet en route et contre toute attente, il a choisi le nouveau parcours, mais malheureusement... T'es au toboggan ? Ça fait qu'il y a du monde ici, dis donc ! Il a douté un instant, il manquait le bon moment pour avancer, ça risque de mal tourner. Il est parvenu à éviter la première explosion, ainsi que la deuxième, la troisième et... Ouais, il n'a pas pu éviter la quatrième. Non, je ne veux pas aller là-haut, j'irai pas là. C'est pas possible, j'arrête. Je m'en suis chopé tout. Toi aussi, tu te fais draguer ? Quoi ? Que quoi? Je m'en suis chopé deux, ok. Qui ose? Et là, t'entends ton perso gueuler. Chais. Ah, c'est terrible. Chais in my oreillette. Donc, notre public est parti. Finis les commentaires. Va donc aider Rafutia. J'espère que tu me rendras le service que je t'ai demandé. J'avais pas prévu de pêcher, moi. Je crois que c'est de ce côté-là prochain, mais ça pue. Non. Ah non, je passe pas là. Je passe pas là. Attends, tu rigoles? Oui, attends, mais... premier saut, tu vas voir, je vais me. Je vais pas me croûter, je vais me ramasser, mais alors. Oh, je l'ai fait, regarde. Oui, ce que j'allais dire. Comment j'ai fait? Oh. Je vous en dois une, Nilan. C'est quoi? J'ai l'impression qu'on s'améliore. Ouais? Non mais franchement... Dans la première année, c'était tellement dur! Non. Non seulement elle fait des cris, mais harmonieux. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'un sacré à faisant des vocalises, hein, donc bon... Hein. Vous êtes jaloux! C'est une plage de tonalité. Aïe aïe. Ah, vous inquiétez pas, pas dans le tas, c'est qu'un jeu, j'étais pas sérieux. Si je m'y mettais vraiment, je pourrais le terminer sans problème. Mais ce serait pas drôle, croyez pas, je suis un vrai aventurier, je vais pas me morfondre. Allez, cette fois, je vais y arriver en toute beauté. Tu penses vraiment ce que tu dis là? C'est le cas, je suis déçu. Celui qu'on admire était complètement différent. Ah, bah, est-ce que tout grand aventurier doit agir avec classe, non? Pourquoi les gens ils font ça? Parce qu'au pire ils prennent juste le toboggan et puis voilà. Non, parce qu'en fait tu peux aller tout en haut. Mais je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. J'ai vu la culotte de la Vira à côté de moi. Elle était comment? Blanche. Et elle a en fait, wow. elle a monté la patte au moment où j'arrivais. Regarde, elle a fait ça. Elle a monté la patte. Elle a monté la patte. Très bien. Elle a pris une bonbon, oui. Elle a levé la patte. Oh. Mais oh, c'est pas mieux en fait. C'est vous qui voyez le mal partout. Ah mais bah non. Là, c'est toi qui le vois, là, je veux dire. Mais même pas. J'arriverai jamais à monter tout en haut du coup. Ah, pourquoi? Ah non, 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 mais moi non plus. T'as vu les petits bouts de planche qui dépassent? Bah comment oui, tu veux monter là-dessus? Ça, c'est encore pire que le puzzle de Kogane. Oh, me parle pas de ce truc, j'ai un PTSD avec ça. Bah, t'es pas, moi, je suis monté en mage bleu, on est en auto-suicide. Bah, bravo. Ah, bah, bravo. Facilité. Bah, au bout d'un moment, hein. Moi, c'était même pire que ça, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Oui. Non, non, mais en fait, je me suis tépé sur lui avec mon anneau de lien éternel. Merde, j'ai raté là. Wouah, comment ça triche? C'est honteux. Oui.
Ah, j'avoue, c'est... J'avoue. Et tu sais quoi, Blue? Eh ben, j'ai même pas honte. Mais il y a pas la... Il y a la fangirl de Blue, là, on est d'accord, hein. La fangirl? Oui. Ouais, ouais, hein. C'est qui? Ah oui, elle est là. Blue, il y a ta fangirl. Oui, je sais. Oh, la tenue. Elle va essayer de tapoter ton petit cul tout blanc, fais attention. Non. Elle va faire bite de vouloir t'aider à monter, fait ah tiens, vas-y, je t'aide, et puis paf paf, hein. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Elle a vraiment pas à s'en remettre. C'est bah, le consoler. J'ai oublié, putain, je vais parler à la fille de mi-parcours. Il vous respecte plus que tout, je suis sûr que vos paroles l'aideront à aller mieux. Ah, l'eau est bonne. Allez, petit chat. La pouille. Hop. Ah, vos paroles me réchauffent le cœur. Qu'est-ce qui a bien pu les décevoir exactement? Me voir échouer d'un air lamentable? Mais non, c'est pas ça du tout, tu comprends vraiment rien. Comment ça? C'est pas parce que j'avais l'air... C'est... Hein? C'est pas parce que j'avais l'air nul. Regarde ma belle mascotte. Oh, c'est parce que t'étais débile. Magnifique. Je trouve que ça va plutôt bien. Merci. On parle de mascotte, c'est ça, Zetur, hein? Ah ouais. D'accord, non, mais... Tu veux qu'on parle de quoi? Mais je sais pas, qu'ils font encore. Ah mais vous écoutez, je me pose vraiment la question. Non, mais écoute, à la sortie de sa tentacule, c'est très bien, hein? Ah, bon, tu sais que ça, ça va. Et voilà. Bah ouais. Non, moi aussi, j'ai mon tentacule. À quand une monture orthos là-dedans? Oh, ça va être terrible. Moi, j'avoue. Ah, je comprends rien, mais c'est sûrement ça. T'étais pas sérieux. C'est vrai, mais c'est ringard de se donner à fond. Je voulais leur montrer que j'avais la classe. Ah, y'en a marre, t'es vraiment bête, hein. Y'a rien de classe à pas se donner à fond, c'est tout l'inverse. Ouvre un peu les yeux, puisque c'est comme ça, je vais participer et te montrer ce que c'est d'être sérieux. Ah, mademoiselle. J'adore ta bravoure, mais les enfants n'ont pas le droit de participer, question de sécurité. Ouah, l'arnaque! On peut même pas envoyer Petit Chat. J'ai entendu votre discussion, Futia, tu nous habitues à mieux pour un aventurier confirmé. J'ai manqué de classe malgré tout ce que vous m'avez appris. Tu recommences avec ça. La classe ceci, la classe cela, taxe-moi la bouche, t'oublies le plus important. Et la bonne nuit, dragon, merci à toi d'être passé. La bonne nuit. J'ai même pas ma mascotte de sortie. C'est vrai que Tina a raison, du coup, si les enfants peuvent pas y aller, la Fel n'ont pas le droit non plus. Hein. souviens-toi un peu de ce que Armaga et moi t'avons appris, de la raison pour laquelle tu admires Nilan. Au pire, on leur fait un coup de pied. C'est pas? Oh là, la Fel ou aux enfants? Non, oh là là, ah. Aux deux. On peut foutre des coups de pied au Lalafel aussi, c'est pas grave. Ouais. Je vais le dire à Kalia. J'avoue. Il y a des tabourets qui vont voler. Hein. j'ai dirais que c'était de la faute de Blue. Non. C'est toujours la faute de Blue. J'étais complètement stupide, je pensais qu'aux apparences sans m'investir pleinement. J'ai trahi la confiance de mes disciples, je suis un piètre aventurier, comment pourrais-je me racheter? Ben retourne sur le parcours, mais en t'y mettant vraiment cette fois. Commence par l'endroit le plus proche, je suis sûr qu'ils te regarderont faire. Tu veux que je réessaye, mais j'ai jamais réussi une seule fois. Si j'échoue encore, ils vont vraiment me détester, c'est sûr. Bon Michel, t'y vas ou coup de pied au cul et je te fais avancer? Ah, madame à fond, mais vous avez raison, je vais pas me préoccuper de la victoire, je dois surtout me focaliser sur le défi à relever. Je veux bien prêter main forte, j'aimerais que vous me précédiez sur le parcours.
Je suis sûr que ça me motivera de suivre les traces de celle que j'admire. Aidez-moi à redevenir un véritable aventurier. Parfait. Merci du fond du cœur, je vais me surpasser pour vous ressembler. Bon, on s'attaque au puzzle jump là, c'est ça? Apparemment. Oh, ce monde d'un coup, mais de Dieu! Quel bordel. Ah, il est là, putain, il apparaissait pas tellement il y a de monde. Ouais, moi aussi. Beau de foin. Monsieur beau de foin. Je t'attendais, c'est bien gentil à toi de t'occuper de Rafultia. Allez, direction le petit geyser et où les cœurs? Ah oui, je vais y aller. T'as plutôt fort, tu veux tenter. Oui! Téléporter à mi-parcours? Ah non! Par toi! Mais c'est quoi cette triche? Go! Let's go. Bon! On va déjà voir le parcours qui, normalement, du coup, était celui de l'an dernier, si j'ai bien compris. L'année d'avant encore, je crois. Enfin, il y a 2 ans, ça. Oui, je crois, ouais. Mais qu'est-ce que. Et Chocobo volant. Oh! Osehehe! Osehehe? Osehehe! Ah, mais c'est l'été, ça fait ça. Bonjour madame! Beau femme a raconté ce qui s'est passé. Je suis certaine que Rafultia retrouvera toute son ardeur en vous voyant à l'œuvre. Très bizarre dit comme ça. Ouais. Courage, il reste plus que la moitié du parcours. Oh putain, oui, c'est vrai, il y avait ça. Ouais, et du coup, il y a ça. Bon bah. Ah, faut sauter, on est d'accord. Ouais. Donc ça, c'est l'ancien. Ah! Oui. Ok. Et ça recommence. Voici la ligne d'arrivée. Félicitations, on m'a raconté ce qui s'est passé. Rafultia s'est démené pour vous suivre. Regardez, il est plus très loin. Ah, c'est pas Tisha. Allez, monte ton scooter dans le ventre, là! Sinon, c'est moi qui te pousse! J'aimerais bien avoir ce bas là, c'est bête que ce soit que pour les hommes. Ouais. Nous on a qu'une. Ah le short là. Ouais. Ouais. Ça aurait été cool de l'avoir sur femme aussi, ouais. J'ai réussi, j'ai tout ce que j'avais et terminé le parcours, et c'est grâce à vous. C'est terminé, la fatigue me rattrape d'un coup. Je vais me reposer ici encore un peu. Vous pouvez annoncer le résultat, Magia? Si jamais, on va évidemment faire le deuxième parcours après. Mais du coup, ouais, il y a l'autre trajet qui est là-bas maintenant. Putain. Ah. Ici, que c'est que ce bordel encore là-haut? T'es jaloux? Hey, ça non. Commence mal. Je préfère ça.
Quel jaloux. J'avoue. Il l'admet pas en plus. Les bons. C'est qu'on allait rendre la quête d'abord. Ouais, mais je voulais au moins tester le toboggan avant de... avant d'y aller. Ah tiens, tiens, tiens. Oui. Oh, le nombre de bombes. Oh, bordel. Oh, ah mon dieu. Ah, le, okay. Le, l'accueil là, sorti du toboggan. Ah bon? Ah oui. Ah. C'est... Très bonjour. Bien. Bonjour messieurs. C'est que c'est très musculeux tout ça. C'est extrêmement musculeux. Et très huilé aussi avec, hein. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce sérieusement. Il y a la petite qu'est-ce pâte à loup. Que... D'accord. Très bien. Donc il y a un Lalafel qui mate, très bien. Sommes-nous étonnés? Non, pas du tout. Ça fait des screenshots ici. Ouais, mais ça fait des tonnes de screenshots. J'avoue que là, mais de Dieu, c'est la fiesta, hein. Y a plein de gens qui font que ça. Ah, c'est... Screenshots... C'est la fête dans la barquette, là. Hein. La quoi? Dans la barquette. C'est la fête dans la barquette. Ok. Expression belge, on peut pas comprendre. Oui, ça doit être ça. Bah. C'est pourtant pas compliqué. Ah mais c'est Sol, la streameuse. Oh. Oui. En rouge là. Ah oui, en effet. En effet, en effet. C'est bien ce haut. Pardon. On va faire un nouveau screen avec mon petit requin. Imaginez les persos essayer de remonter le toboggan en faisant... Oh tellement. Ah. Ah. Glouglou. Ça fait des blou. Je dois le sauver. Oui, c'est ouais. Bien de le dire. C'est mieux de le faire, Jacqueline. Ah, il faut vraiment que je le sauve, là, quand même, hein. Non, mais c'est bon, il fait toujours des bulles, ça va. Ouais, tant qu'il y a des bulles, il y a de l'espoir, hein. Bon, apparemment, il y a une deuxième partie au puzzle jump, hein, qu'on a fait. Oui. Un truc plus vénère. J'ai tenté le premier saut, je suis tombé, donc je suis reparti. Ouais, alors, y a plein de traces de pain. Comment c'est passé? J'en peux plus. Bonne frère, Naga, ou commenter, mais j'aimerais entendre toute l'histoire de votre bouche. Bien, en fait, c'est très simple. Comment ça, tu veux l'histoire de ma bouche? Comment, c'est-à-dire? Ah, Blue, va falloir qu'il dise qu'il est passé sous la table, du coup. Et où? Exactement. Mais quel rapport avec la bouche? Nous, on a compris. Exactement. Je vous déteste. Tu tombes bien, Nyan m'a tout raconté, je suis fier de toi. Je serais pas arrivé sans Sonade, mais j'ai pu tout donner et franchir la ligne d'arrivée. Ça va te parler un instant si tu veux bien. En t'envoyant mener ta barque dans cette épreuve, on s'est dit qu'on avait été un peu dur avec toi. Alors... En dites pas plus, c'est quelqu'un doit présenter ses excuses ici, c'est moi, je suis vraiment désolé.
Je voulais qu'on me reconnaisse en tant qu'aventurier accompli et je me préoccupais que des apparences, oubliant ce qu'il y a de plus important. C'est normal que vous ayez été déçu. Je prends un nouveau départ, je me comporterai avec sérieux dorénavant. Alors, vous voulez bien pardonner? Vous avez livré une bien piètre performance la dernière fois, mais te voir réaliser ce tour de force m'a fait changer d'avis. Ah, c'est ça, avoir la classe. Tu es redevenu celui que j'ai connu. On voudrait aussi que tu nous pardonnes. Tu veux bien nous considérer à nouveau comme des disciples? Alors, on se retrouve l'année prochaine quand Michel sera redevenu un débilus. C'est ça. La question se pose même pas, nous allons tous les trois repartir à zéro. On va recréer des persos. Oui. Allez. Go Rorol. Je suis content qu'ils soient réconciliés, c'est grâce à vous, merci pour tout. Un petit choupette. Je m'expliquer que c'est super important que les aventuriers, pour les aventuriers de faire leur rapport, vous devriez dire aux autres que tout va bien maintenant. Ouais, c'est un futur aventurier en herbe, Choupette. Hein. Ou alors donneuse de quête, va savoir. J'avoue. Qu'est-ce? Non, je vais pas poser la question. T'as dit tatoué? Qu'est-ce qu'il a vu encore? Oui, t'as dit tatoué. Des trucs bizarres, mais Je pense qu'il a vu le gars qui fait le mort et qui a l'impression d'avoir du bouche à bouche. Alors, j'aurais pas dit du bouche à bouche, mais ouais. Ah oui. Ouais, non, faut passer. Ouais, faut passer on a rien vu. Ouais. On va aller voir là-bas, il y a des quêtes à rendre. Ouais, des PNJ aussi. Ouais, il y a une mi-côte cosplay Iris. Nian, j'ai un peu prévu ce qui s'est passé, mais tu veux me faire un petit topo. Monsieur Maga. Ah, je vois. Rafutia a donc enfin ouvert les yeux et s'est réconcilié avec ses disciples. Ta mission est terminée, je savais que je pouvais compter sur toi. Il a enfin compris la véritable raison d'être des aventuriers, il n'y a plus rien à craindre pour ses disciples maintenant, et c'est grâce à toi tout ça. Merci pour ton aide, tiens, accepte cette récompense et n'oublie pas de profiter des feux de la mort. La tenue! Donne! Oui. Et du mais coup... arrête! Ah, et donc c'est Anguilles, ok. Bon. On ira voir ça, l'item de housing après. Pour le coup, la nouvelle tenue de l'été. Ah, elles sont cool les sandales. Ouais. Ah, je suis vraiment pas fan. C'est des patins les trucs. J'adore. Des patins à bois. J'aime bien. C'est pour faire du patin à bois. Patin à bois. Patin. Bah oui. C'est pas des patins à glace, c'est des patins à bois. Parce que c'est en bois. Et c'est pour faire du patin sur le parquet. C'est des patins à bois. Fais du patin sur et quand parquet, tu fais du patin, ça aboie. Oh parquet, non. Wouf, wouf. Ah, le voisin est encore en train de faire du patin sur le parquet. Ça, c'est, tiens, c'est bizarre, je savais pas que le voisin avait un chien, mais... Passion patin à bois. Donc voilà la nouvelle tenue, et en vrai je la trouve vraiment super cool. Ouais. À part les chaussures, tout est cool. Tenue qui avait été utilisée pour faire des affiches, non. Hein. Non, il n'y a aucune affiche. Ah Quelle couleur je pourrais mettre ça?
Du coup, on va... Mais qu'est-ce que c'est que ces chiens, là? Bah, c'est le patin à bois. Oui, bah, c'est chiant. Arrêtez de faire du patin qui aboie. Ouais, je peux tenter de le laisser en noir, en vrai. Bravo, bravo. À boire. Mais vraiment très cool. Merci, merci. Bon, bah du coup, on se fait la deuxième manche. Ouais. Tac. Et tac. Ouais. On verra plus tard. Ça... Qu'est-ce que... Bonne chance. Kim... Bon. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. Du coup, on a un mentor exemplaire. J'imagine qu'il n'y a pas de titre ou quoi que ce soit avec. D'ailleurs, j'ai pas fait attention. Il y a les choupettes ou pas cette année? Oh, elles doivent traîner quelque part. Hein. Allez, là-bas! Il a vu! J'ai vu les choupettes! J'essaierai le parcours quand je serai grande. Moi aussi, moi aussi! Elles sont trop mignonnes! Oui. Bon courage à vous deux. Elles sont toutes choupettes et toutes mimi. Oh. Ça me fait marrer leur espèce de sacoche à goûter qu'elles ont derrière là. Sacoche à goûter. Oh, j'avoue, j'avais pas vu. Je me dis, mais elles ont un truc derrière, qu'est-ce que c'est? Bon, on va sauter parce que je suis... Ouais, faire des trucs, ouais. Ah bah salut Nata. Comment on va? Hello. Et la bonne soirée, Zaclab. Merci à toi d'être venu. Et à plus du coup. Mais est-ce qu'on... On re-cerise, ouais. Enfin... Je pense que je vais avoir du mal, mais... Des quoi? C'est non. Ouais, Nata qui dit que le haut en rose cerise est pas mal. Pour moi, c'est non. Non. Rose cerise? Même pas que cette couleur existait. Par contre, tu feras gaffe, Bibi. T'as laissé échapper ton tentacule. Très bien, mon tentacule. Oh mon dieu! Tu veux t'asseoir dessus? Ah, c'est rose rose hein. Alors non, je veux pas forcément m'asseoir dessus parce que déjà j'ai mon tentacule personnel. Hein, voilà, je... Non mais il bouge, mais... calmez-vous. pitchounou là, on se calme. Oh, je crois qu'il faut aller bosser. Royal, mais non, Royal. Là. Tempête ou Rotano? Pas là. Merde. Ah, oh, Rotano, c'est joli. Ah mais, je vais mettre ça. Il sent mon chien.
Ma loutre! Allez tous vous faire loutre! D'accord. Mais. Quelle brutalité! Faisons ça du coup. Mais. Hein? Mais je sais pas. Tiens. Titati, bali bali, tata! Bon allez, Go. Sago. Lasso. Oh putain. Oh putain. Wisline, comment t'es passé? J'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour la bombe. Ah, j'avoue que je l'ai vu passer, tomber à ce moment-là. J'étais en mode, oh non. Allez. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, y'en a un qui a eu chaud au cul. Oh. C'est qui cette Vira encore là? Ça me dit un truc. La tenue me dit un truc. Allez, non. Pas d'une guilde ou quelque chose comme ça? C'est pas la tenue de maître d'alchimiste, ça? Bah, si. Possible, ouais. Pourquoi y'a un. Parce que maintenant on est super potes avec eux, j'imagine. Un truc à côté là. J'ai vu qu'en bas il y avait des Sawagin et des Amalja. Putain, j'ai le dernier là. Ah, y'a un sylph aussi. Vas-y, ça va me perturber, c'est qui? Vas-y, y'a des sylphs. Au secours. T'es vachement madame, grand, madame. J'avoue que putain. Mais par contre, je suis vachement au bon. Évidemment. On est bien là. Pourquoi? Bonjour, je ne suis pas étonné. Nous avons la taille recommandée, je ne vois pas le problème. Ah non, t'es un tout petit peu en dessous, mais moi je suis juste bien. Oh, je peux quand même faire. Putain, mais... Soyez pas jaloux. Bon, les bombes. Oh putain, les bombes. Nouveau, par contre. Oh, il y avait plein de bombes. What, Jacqueline est passée dedans et s'en fout? Il y en a certains qui trichent là. Qui est déjà clean? Comment ça? Ah oh, bah. Oh, putain. Oh, Mimi, elle a mis un coup de frein là, c'est. Loupé, Blue. J'ai vu. Du coup. Bon, ça va, c'est tout facile en fait. Ouais. Faut le timing, c'est tout. Ah oui, ça, par contre, oui, si t'as pas le timing, là, c'est de la merde, hein. Oh putain. Vas-y, y'en a qui tombent, qui sont déjà allumés, là, c'est dégueulasse. Oh putain. Ok. Facile, ce jeu. Suffit d'être fort, hein, c'est tout. Ouais. Bon, du coup, maintenant, bon. C'est là que ça commence. C'est là que c'est terrible. C'est là où c'est terrible. Voilà, donc déjà... Oh. Merde, oh putain! Pas sauter! Sauter trop loin! C'est bien, moi j'ai ma fenêtre grande ouverte et j'en m'entends. C'est trop bien. Ah! Oh putain! Sachant les cris que tu fais de temps en temps. Bon, ça, ils ont l'habitude, Blue, voyons. Ah, d'accord. Ils ont déjà l'habitude. Je plaisante. Enfin, ouais, un peu. je plaisante, mais pas trop. Merde, encore un mur. Ils m'ont déjà entendu jouer à des BD, c'est bon. Ah bon, ça va. Oh putain. Je vais me ramasser la gueule. Finalement, je vais utiliser le toboggan. Je crois que tu penses à la poisson de décéder. Ah oh putain. Sache-le. Je te suis à la trace, fais gaffe. Oh, les tricheurs là, les faucheurs. Comment ça, les faucheurs? Les faucheurs, c'est des tricheurs. Oh, ils font des TP. Oh, j'avoue. Oh, la triche. C'est dégueulasse. Je proteste. Comment ça, tu peux TP? Bah, ouais, avec les TP du faucheur. T'esquives les bombes, ouais. Par exemple. Oh, c'est dégueulasse. Mais à quel moment ils utilisent des comp. À quel moment. À quel moment ils autorisent les compétences sur le parcours, quoi? Bah, j'avoue que bon. Oh putain.
Puis ninja aussi, ils peuvent... Non, bah, si, tu utilises la téléportation du mage noir, ouais. Même. Et en pratique. Raté. Ah, ce petit parcours de bombe, hein, je vais le connaître par cœur. Hein. Et les héroïdiques, ils peuvent tricher aussi, ils peuvent marcher. Comment ça, je troll Ah, je crois que... Quand il hurle des voyelles, c'est que ça sent pas bon. Non, le pire, c'est quand ça... Voilà, ces voyelles-là. Alors, ça va, puis il y a plus de bruit de prévu là. Le pire, c'est quand tu commences à créer des consonnes. Là, là, fou, là, bon. Mais... La première moitié du parcours difficile est faite. Bah, mais j'étais arrivé, ouais, à l'étage intermédiaire. Merde. Non, non, oui, non, ah, ouais, oh, c'est... ah, je... Allez, viens, ma petite Oli, les potes en roue. Ouais. Quand il y a plusieurs voyelles, c'est que c'est encore plus terrible. Mais tu fais comment, là, du coup? Ah oui, d'accord. Non, ouais, chier. Tu utilises les TP du danseur, là. Il est infâme, ce parcours. Je le fais pas. Et genre, bon, ça cheat, quoi. Faire le saut, là. Oh, oh, c'est... À aucun moment, ça passe. Ah, ça passe pas. Oh, Zolgwe. Ah, si. Zolgwe. Non, vas-y. Bon, ça va, je suis pas retombé trop bas, mais... Ouais, bon, c'est très très chiant de tomber tout en bas. Hein. Vraiment. Il paraît. Eh, vas-y, cette musique. J'avoue qu'il y a un moment, je vais la désactiver parce que bon, voilà. Oh, ouais! Chier, hein. Non, merci, je ne veux pas de. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu lui as proposé, Miguel? C'est une très 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 bonne idée, ça. Mais oui! Qu'est-ce que vous faites? Oh, ça alors... sent le cheat, là. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça triche. Qu'est-ce qu'elle font? Mais comment tu veux tricher quand tu peux ce jeu? Dans Guild Wars, si ça marche. Fais l'innocente, ouais. Oh putain! Tu vois qui sert ce petit pote? Ouais, plutôt. Non, vous en... Zou, on l'a perdu? Ben je suis à mi-hauteur. Il est passé entre les mailles du filet. Non! Ouais. Ah si si, je vous jure. Mais non, mais... Oh mais c'est... un gérable ce soir. Mais... De toute la panel de cris de Blue, c'est mon préféré. Oh. Oh, comment ça cheat avec les bombes là-bas? De quoi? Oh, j'ai vu, hein, ce petit roux. Ah, ah. Il y a eu un combo de 1. Non, mais la bombe qui t'envoie sur une deuxième bombe, on en parle ou pas? Le coco combo voyelle. Ah, et merde, hein. Au bout d'un moment, on commence à être chiant. Non! Ah! Oh! Oh, vas-y! Ça va y être terrible, hein, quand même! Oh putain! Non! 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 Ah, si, si. Putain, décidément. Ah, quand j'arrive plus à remonter, c'est terrible, hein! Oh là là, Blue, c'était incroyable. Non, bah on recommence, hein. Mais vas-y, bombe de... Ah, sautez trop tôt. On m'a envoyé un tétragramme à la gueule.
Prends mon gros tétragramme et tais-toi. Ah, c'est comme ça que t'as pas le temps. Oh, ça va être terrible, ça. Ça va... Je l'avais dit. Il m'est passé juste à côté, c'était marrant. Bonsoir. Bonsoir. Mais, pardon. Mais, oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh, quel débilus. Franchement, dommage qu'on soit pas en combat, ça peut être drôle. Oui, j'aurais fait un secours là, tu vois. Ouais. Chaud. On se pensait que j'avais toutes les bombes. Ah. Je vis bien. Non, non, il est bien. D'accord que nous on a abandonné, hein. Quel ah oui, moi oui, mais même pas j'essaye là, tu vois. Ah, au moins deux fois ça m'a suffi du coup. Oh mais quand les serveurs, il y aura plus personne dessus. Genre à 5h du matin, quoi. Mais si tu te concentres, tu oublies les gens qu'il y a autour et c'est bien, ça passe bien. Ouais. Et le problème c'est que je vois pas où je mets les pieds. Eh ben regarde tes pieds. Je te jure, quand t'allumes ton écran, c'est plus facile. Bon, ah, putain, oui. On disait. Oh. On disait. Ah, il y a un raise. Oh non, elles sont toutes allumées. Okay. Tu vois la saloperie venir ? Ouais, ouais, je vois. Eh, dis donc, je ne te permets pas. Tu peux arrêter de regarder son cul, là ? Tu ne vas pas tricher. Dis donc. Waouh, comment il y a eu un suicide de Midian ? Ouais, mais non, mais j'ai demandé à personne de me raise, hein. Mm-hmm. Je reste juste là. D'accord. Mm-hmm. J'aime le sol, il est frais. Il est frais, le sol. Oh, putain! Ça va? Choper ce saut. Oh, ça va, casser. Ouf! Non! Ok, je suis revenu là. Putain, mais ah. Le premier try, j'ai avancé, mais nickel. Et là. Comment ça? C'est-à-dire. Quelqu'un m'arrête à mi-chemin. Oh. Mais genre. Mais genre. Pour ce genre de conneries que le mage bleu me dégoûte. Mais j'ai rien demandé moi. Et en plus, de toute façon, c'est même pas fini. Donc je vais l'avoir dans. Mais... Coucou Blue. Tu me vois, je suis là. Ah, j'ai pas loupé ma soeur. Je vois pas les gens qui trichent. Quoi. Quelle triche? Je veux pas tricher. Moi. Oh. Papa. Je tenais avec un orteil sur le petit cube en bois. Oh. Comment papa. Tu passes ce saut de con? Tu ne le passes pas, tout simplement. Ah, ça explique tout. Mais... Oh putain, le poteau de... Oh, ok, tu le passes, mais il est infernal. Un mur de merde, hein, vraiment. Heureusement qu'il n'y a pas de collision. Oui, clairement. Ah, what? Ma Mimi, t'as entendu. Redescends quoi? Non, mais je suis jamais monté, moi, en fait. Ah. C'était une illusion, vous m'avez tous cru. Non. J'ai fait semblant de dire que j'étais monté. Je suis la nuit. Oh, ça pue ça! Vas-y! Oh, vas-y, c'est pas assez! Comment j'ai. Je vais pas poser de question. C'est-à-dire que la bombe m'a littéralement explosé dessus, mais j'ai pas bougé. A tout pété!
Et ce premier saut, il est tellement terrible. Le nombre de gens qui tombent là. Non, ah non, j'ai paniqué, chier. Il y a tellement des sauts de l'enfer. Ouais. Oh putain. Ouais. Nous ça va, on est bien, tranquille. Ouais, moi je suis bien sur cette petite planche. La dernière partie va être infernale. Au pied du toboggan. Mais oui. Bonjour. Bonjour. Je veux pas y aller, je sens que je vais tomber, je vais rager. Oh voyons, t'es pas comme ça. Oh. Allez, on recommence cette partie. Non. Ah mais sur le bateau aussi il y a des trucs. Oh il y a plein de bombos, non? Oui. Bah ouais, il y a 6 bombos et puis il y a une table avec des feux, des trucs comme ça. Je me suis jeté en bas, j'ai envie de vécreux. Vécreux. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de refaire cette partie. Ah, les bombes, je commence un peu à en avoir marre. Hein, je... Non. Oh. Ok. En fait, ici, c'est checkpoint. C'est ça. Non. Ah. Oh. 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 Rattrapage. Hein. Peux pas test. Je tiens sur rien. Je l'évite. Non, le mur! Putain de... Franchement, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir les gens qui essayent de monter. Ah, lui, il a essayé de descendre. Ah non, il du a coup... pas essayé, il a réussi. C'était... On a essayé, du coup. La descente était calculée. Oh, face. Bonjour. Bonjour. Oh, hey, oh. Salut, meilleur salut. Non. Mais merde hein. Ah bah le v'là reparti. Putain. Je sens que je vais rejoindre Mimi sur le bateau, moi, du coup. Ah, je suis même pas encore sur le ah bateau. Ah ouais, ça fait la pression, ça fait la fête sur le bateau. Bah bien sûr. Mais... Allez, j'y vais. Je vais faire la truc. Putain, pour oh mon chien! Comment on monte sur ce. Une aise de bateau? Mais vas-y, elle a raté le cube en bois! Raté cube à bois? Le cube en bois! C'est le cube en bois! Ah, le cube en bois! En un seul mot, c'est cube en bois! Oui, bah j'avais compris cube à bois, moi. Non, y a pas de cube à bois. À bois. Elle aboie pas la cube. Comment on peut aller sur ce putain de bateau du coup? Ah, ah, Fluffy cake. Très bien. Un pseudo incroyable. Que se passe-t-il? Ah! On est arrivé à un étage. Eh bien, ça fait une demi-heure que j'étais pas revenu. Bon. J'arrive au saut dégueulasse. Voilà, je le savais. Ah, ce saut-là, oui, d'accord, bah j'en suis à ce saut-là, justement. À une seconde près. Le saut où tu te tapes la tête. Oh à... Non. Tu vois, ouais, il passe une fois sur deux, ce saut-là. Non. Chier. Si, je te jure. Allez. Oh, vas-y, ah non. Oh. Hey, Zay. Oh. Ah, j'ai vu la chute. Non, alors... mais je l'ai fait exprès. Parce que ça devenait trop facile, en fait. Ah. Oh, pas tomber là, s'il vous plaît. Par pitié. Ah mais on peut vraiment pas en fait.
Comment on fait? Ah non, je vais me faire repousser. Oh, ils sont dessus. Hein? Tout bien. Oh, ça bat, ça passe. Mais vas-y, plus petites les plateformes encore. T'as failli me la foutre à l'envers avec, avec ton ploto à la con là. Vas-y. Ça aurait été tellement bien que ça passe. Oh. Au final, c'est pas passé sur le premier, mais le deuxième. Je te déteste. Non, mais faut vraiment faire des sauts en diagonale là. Oh, t'as pas besoin de sauter là. Oh. Oui, il y a des trucs, t'as pas besoin de sauter. Non! Oh putain! Loupé. Hop. Comment ça, on peut pas enlever Ploton? Enlève-le! Putain. C'est chiant. Du coup, c'est quoi ton skin, Jacqueline? C'est quoi ton chapeau? Hein? Il fait du puzzle jump en plein cours, en plein milieu, fait ses courses. Sur le plateau ? Non ! Mais merde ! Comment ça fait les courses ? Bah oui, mec en plein milieu, oh, sympa ton chapeau, c'est quoi ? Bah non, mais elle me fait marrer, ça, c'est un chapeau, chapeau de mage, là. Un deltaplane comme dans Kill Wars. La question se poserait pas. Oh là 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 là, un deltaplane. Mais non, c'est de la triche. Ah merde ! C'est de la triche. Et puis on a bien vu dans la province de Seitung que même avec un deltaplane t'arrives pas à faire les puzzle jump donc Pardon, c'est dégueulasse. Alors... une fois ça vient pas de moi mais de toi. Mais c'est... Alors... Il y a des traditions qui se perdent quand même. Tout comme lui. La même aille de sucre. Mais non mais... J'en ai plein le cul. Mais non, mais... Ah ! Il semble que c'est terrible. Ah bah ça fait deux fois que j'ai failli retomber tout en bas, donc ouais. Je connais, ouais, je... Ah. Mais... Faut pas s'énerver, ça sert à rien. Hein. Non. S'énerver. C'est vraiment de la merde. Oh. C'est vraiment de la merde. Mais... Non ! Ah. Je hais ma vie. Ah oui. C'est actuellement bien de la merde. Où, il est tombé bien bas. Ah oui, oui, bah ouais, je peux pas être plus bas là, je suis bien au fond. Ouais, on est d'accord. Oh ! Oh non ! Entre ça et les petits bruits, hein, je me pose vraiment des questions. Ah, c'est incroyable. On a vraiment un festival de nomatopées. Et c'est vraiment vous qui parlez des petits bruits. Est-ce que ça s'appelait pas un peu du foutage de gueule? Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Je vois pas du tout de quoi tu parles, du coup. Chais. Ouais, bien fait. Un danseur qui essaie de tricher, là. Oh. Oh, non. Bonjour. 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 Meurs avec ton peloton. Non, Lily, non. Tu es là pour la sortie, c'est ça? Ah. Mais même pas. Moi, je suis tranquille. Je passe ça. Calme. J'en passe. J'ai vu une Nilan s'élancer dans le vide. Ouais, non mais c'est très chiant. Je l'ai suivi. Mais vraiment par pure amitié. Elle est quand même super sympa. Oh putain. Oh c'est... Ah non. Oh hé hey, oh. Non. Oh. Oh. Hein ? Bon, on revient à la zone extrêmement relou.
plus haut, on n'a pas sauté. On n'a pas sauté. Oh hey. Ouais, ça va. Eh hey, merde hein. Je suis pas énervé. Mais vas-y, le peloton. Mais putain, j'ai même pas sauté quoi. Faut arrêter là. Oh, Akaboué. 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 Non mais j'invoque le bon sort. Ah, apparemment le bon sort t'a chié dessus. Hein. Il m'a chié à la gueule hein. Oh allez. Hey. Ok. Hop, on saute pas, hop, on saute, hop, en travers. Je m'apprêtais quand même à passer une soirée merveilleuse parce qu'il y avait une mise à jour sur Monster Hunter Rise et il a fallu qu'on vienne me faire chier avec la bande des Vendemorts. Ouais, alors est-ce que je dois citer ce que tu m'as dit juste avant? Non, c'est pas nécessaire. Moi, tu es responsable, j'étais tranquillement de faire parce un campus. Parce que je ne sais pas ce que je disais. Et puis on me demande de faire un puzzle jump de mort là. Ouais, alors t'étais pas obligé d'accepter hein. Un campus. J'avais plus toute ma tête. T'étais sur oui. Two Point oui. Campus. Oh, il est bien alors ou pas? Oui. Attends, je pense que je vais. Il change du fonctionnement de d'hôpital. Oh, on n'est jamais arrivé aussi loin. Donc quelques temps, je pense. Bon, en fait, les bombes c'est chiant, hein. Donc. Ouais. Au bout d'un moment, les bombes, ça, c'est juste relou, hein. Je trouve le même principe que dans l'hôpital et ça, c'est bien. Ah, bisous. Sauf que là, tu vois pas des maladies bizarres. Non, tu vois des étudiants bizarres. Ah ouais. Oh. Non. J'essaie de créer des potions, des robots. Est-ce que t'en as avec le cul tout blanc? Bah bien sûr. Ah c'est des blous. Je le vis bien. Oh putain. Je vais même créer des clowns dans l'hôpital, comme ça après hop ils vont se faire soigner. Oh mais merde. Je t'avais pas vu. Je pense qu'en fait le seul moyen d'aller sur la barque ça doit être de monter tout en haut du truc. C'est pas impossible. C'est fort probable. Ah, du coup, vous êtes obligé de faire le puzzle jump là. Non, c'est con, hein. Non, j'abandonne. Ouais, non, mais écoute. Maman est près de toi. Exactement. Putain, mais je ne comprends pas. Vas-y, même je me casse la gueule. Pour moi. Allez, là on saute là-bas. Yeah, il y avait une micotte avec le taille RP en tenue de Omega. Je me demande quel type de RP c'était. Ouh. Ah. Le RP saucisson, je pense. Ah, c'est ça. Est-ce que vraiment on se pose la question? C'était le RP Justin Bridoux. Mais je suis la nuit. J'y crois à mort. Eh bien, je suis énervé et enchanté. Oh non, non. Oh, c'est quand même cool quand des plateformes qui semblent plus petites ont des hitbox plus grandes. C'est appréciable. Tu veux un peu de sprint pour essayer de passer les bombes, Blue, ou comment ça se passe? Pas spécialement, non. Ah, on a le E maintenant. Oh. Le E et le I. J'ai rien fait, t'as pas sauté. Sacré frein, hein. Ouais, je faisais du drift là en fait.
Oh! Oh oui! Oh! On a atteint un étage de plus! Mon dieu, on attend des choses bizarres. Oh! Oh oui! Non, mais là, là, vous parlez de moi, mais là, la sandboard, voilà. Ah! Oh, pff. Attends, mais c'est quoi ce saut? Ouais, il y en a des horribles. Attends, mais il y a deux chemins différents là, what the fuck? Ah non, il y a un chemin. Ah non, il y a deux chemins là. Ouais, mais celui-là, il a l'air moins chiant. Deux chemins. Ah, si, en fait, c'est très chiant. Non, il y a vraiment deux chemins là. Elle est où, Nilan? Ah, ça, bonjour! Bah, en fait, tu vois le poteau où je suis là? Oui. Bah, en gros, tu peux soit continuer vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ah! D'accord. J'ai pas vu l'intérieur. Fais gaffe. Bon, là, ça va. Oh, lui, il doit être deg. Non! Bon. Allez. J'y crois à mort. Oh putain, j'ai failli sauter dans le vide. Est-ce que c'est palpable, ça? Oui, c'est palpable, ok. Ça veut dire qu'il l'a palpé. Oui, ben, je voulais savoir si le sol était palpable. Raté. Oh non, oh. Bon. Et yo. Et comment on a réussi ce saut de con? Comme ça, d'accord. Okay. Mais le jeu triche là, c'est relou. Donc tu me dis il y a un chemin à l'intérieur? Oui. Je vois pas. J'essaie d'y remonter, alors, je te dis. Hein. Ou alors je suis pas assez haut. C'est pas les explications que j'attendais, mais d'accord. Bah, et là à gauche. Là. Oui. Genre là. Ouais. Et par là-bas. Ouais, il m'a l'air très casse-gueule ce saut. Ouais, alors ça fait depuis tout à l'heure que j'ai pas réussi à le passer donc. Parce que étonnamment. Non ! Là tu vois beaucoup. Ah oui. Parce qu'étonnamment, là où je passe, tu vois beaucoup de vide, mais ça fait moins peur, je sais pas. Ouais, ben y a pas beaucoup de vide, mais je suis tombé dedans. Très chiant. Hein. Ouais, ça utilise des raises. Oh, à medium. J'ai entendu. J'avoue. Je te trouve très couvert du coup. Oui, j'avoue. Ok. Je pars à la pêche. Je n'étais pas arrivé là tout à l'heure. Oh, putain. Où est-ce que. Qu'est-ce que. Okay. Ah, là-bas. Oh là là, les planches sont tellement toutes petites. Oh putain. C'est horrible. Tu vois, mais après. Ouais. Oh, tu dois vraiment à peine appuyer sur la touche. Oh, quoi, il faut tomber là? Non, tomber c'est chiant. Oui, non mais. Oh. Ok. Ah. Oh putain. Mais non. Oh putain, ça passe. Il fait trop noir, j'y vois rien. Ok. Mais... Vas-y, il y a des gens qui se mettent sur les planches là, qui restent comme des plots. Je sais pas jusqu'où je peux aller sans tomber. Pas là. Ha, chais. Pardon. Moi, dans la vie, des fois, j'insulte des gens de manière random. Ça me détend. Écoute, on se détend comme on peut ici, hein, c'est compliqué. Ah oh. Okay.
Ah. Non. Mais là, ouais. Ce saut, il est juste impossible, en fait. Oui. Oh putain, j'aime pas ce saut. J'aime pas ce saut. Et je l'ai raté. Oui. Rien. Pardon. J'essaierai de plus le faire. S'il te plaît. Ouais. Non. Ah, comment ça utilise des rêves. Ah mais j'avoue, les gens qui trichent là. De quoi des... Attends, j'attends, je pourrais les troller moi. J'arrive, je fais un raise, mais depuis la même plateforme. Oh, j'avoue. Ou de un peu plus bas. Oh oui. C'est salaud. Vas-y. Pardon. Faut que j'extériorise, sinon il y a un truc qui va prendre, je sais pas quoi, mais... Un truc qui va prendre. Oui. Genre, je sais pas, je vais... Il vient de se retourner vers Hello. Au toi, tu vas prendre. Et là, on entend... Oui. Non, oh, non, non, mais... Mais je vais faire mon... Je fais pas exprès. Ah, mais Pouille, il est redescendu. Il faut que j'extériorise aussi. Tu vois, je veux dire, moi, au bout d'un moment, faut extérioriser. Ouais, sinon, ouais, juste, tu pètes un plomb. J'imagine que chacun a sa manière d'extérioriser. Ça, c'est oh, il était beau, celui-là. Coucou, toi. Coucou. Oh. Eh ben, coucou. Bah oui. Tutu saute pas. Non, c'était putu de saute de pas. J'ai au bout d'un moment, il y a un des chats qui va prendre chez vous. Non. J'ai dit un truc dégueulasse. Non. Je crois que j'ai eu la même idée. Je pense savoir ce à quoi vous pensez. Mais calmez-vous. Je suis sûr vous de savoir. J'ai ma petite idée. J'en ai plein le cul. Ma vie, c'est de la merde. On est mieux sur Guild Wars pour faire des puzzle jobs, non? Oh, on est 100 fois mieux sur Guild Wars. Oui, parce que le jeu est prévu pour... Les déplacements des personnages, c'est prévu pour. Là, t'as l'impression de faire un puzzle job avec un putain de paquebot, c'est. Putain, mais vraiment qu'on recommençait depuis le début. Putain. Plein de cul! On démarre! Putain, qu'est-ce qui freine bien? Merde. Bah j'ai fait réviser mes plaquettes hier donc ah. Ah c'est pour ça hein. Ça se voit ça. Oh c'est terrible. Il pleurait. Là tu vois je me pose la question. Mais pourquoi s'inflige-t-il ça? Parce que je suis dit, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en haut. Je veux savoir. Quitte à y passer la soirée. Ils veulent même pas venir avec moi faire des puzzle jumps à l'Arche du Lion, quoi. En même temps, tu choisis des puzzle jumps de merde aussi, hein. Clairement. Vous savez que il y a un PNJ qui vous permet d'aller directement à la plateforme où vous recommencez là où vous en êtes arrêté. Sérieux? Enfin, pas tout à fait. Mais en gros, attends. Hop. Comment ça? Là. C'est-à-dire que je me casse le cul avec les bombes depuis tout à l'heure pour rien? Lui.
tu lui parles, il te re-TP devant la responsable de fin de parcours en fait. Ok. Oui, c'était Michel tout à l'heure. Ouais, de toute façon si t'es trop nul, je peux te re-TP. Exactement. Tu veux lui parler, Blue? Je vais taper la discute avec Michel. Sinon, la tour de coup gagnée, je l'ai déjà fait, c'est bien de la merde! Non, pas la tour de coup gagnée. Parce que ça empêche pas que putain de. Que ce jeu est pas fait pour le puzzle jump en fait. Le maniement du perso n'est pas fait pour. Franchement, dommage que t'as pas pris le toboggan. C'est clair. Ah, mais je suis passé à travers, hein, donc. Donc il ne saute pas, comme toujours. Greux. Un autre gens qui TP la clé. Non, j'ai cherché, mais non, hein, c'est. Je te félicite et démerde-toi pour la suite, très bien. Oh, il y a eu. Ouais, potentiellement une crêpe de la Lafelle en bas. Bon, moi mon chat me regarde avec insistance, donc je pense que je vais y aller. Ouais, pas de soucis. Mais merci à toi pour être venu ce soir, c'était très cool. Ah bah de rien, moi ça m'a fait plaisir, oui. Depuis le temps qu'on en parle. C'était cool de t'avoir. Bah ouais, clairement. Temps. Bah vous dites quand vous voulez, hein. Moi, j'ai pas loin, j'ai plus très loin à faire maintenant. Oui, c'est vrai. Mais ouais, bah de toute façon, tu disais que t'es dispo ce week-end si jamais. Oh beaucoup, ouais, ce week-end, ouais. Ouais, faire des trucs chicanes, ouais. Non, normalement c'est bon, juste pas le vendredi soir, je risque d'être complètement crevé de ma journée. Oui, pas de soucis. Mais oui, si jamais ça se ferait un samedi, ouais. Ça marche. Bah de toute façon, ce sera sur Discord. Yes, ça marche. Et ben je reste in touch, comme on dit, chez les jeunes. Pardon, c'est le touch, ça m'a fait tomber, je m'attendais pas. Oui. Excuse-moi, je ne savais pas que j'allais avoir cet effet. Allez, bonne nuit les jeunes. Bonne nuit. Et bon courage. Ouais. Bonne nuit Mimi, des bisous. Bonne nuit le chat. Non. Je vais ouais, ça va plus traîner, hein, je pense qu'il y a un moment je vais en avoir marre et je vais me barrer. On le lit, hein. Ouais, on va faire ça, ouais. Oh, moi je suis bien là où je suis, hein. Ah bah oui, toi tu le fais pas, donc forcément ça va bien. Bah ouais. Wow. Et est-ce que sans un truc tu le passes aussi? Ah oui, ça va. Une sosie de Mimi. Ah, déjà que j'ai du mal sur Guild Wars, alors là. Non mais je te comprends, hein. Non mais oui, mais ce... Sur ce jeu, c'est horrible, les puzzles. Ouais, tout comme il dit. Ah oui, c'est horrible. Mon dieu, comme c'est horrible. Non, mais au pire, j'ai envie de dire. Je regrettais ce que je viens de dire, mais bon, voilà. Un week-end, là. Mm-hmm. Bon, du coup, pas ce week-end. Oui, Blue, je sens que tu sens venir la douille, hein, c'est... Je sens que je vais essayer de reprévoir des week-ends piscine, hein, parce que. Ouais, t'as raison, avec cette chaleur, il faut. Ah ouais, faut. Bon, on reviendra dessus. Faut nager, faut faire des trucs. Non. Hey. C'est non. Hey. Mais Ouais. Ouais. Je suis d'accord. On fera des. Ah. Ouais, voilà, ouais. Bah, ça résume assez bien, hein, je. Cassé les jambes d'ailleurs. Mais vas-y, mais saute, débile. Mais oui, s'organiser une petite soirée puzzle jump un samedi soir. Là. Ouais. Évidemment, uniquement. Pour ramener Rostar et puis voilà. Bah oui, non mais justement, ramener le plus de monde et histoire de faire vos succès. Oh. Ah, je crois que ça veut dire qu'il était d'accord. Hein. Ouais. Tout le monde est témoin. Il a dit oui. Non. Ah si? Oh, je suis pas tombé. C'est le caméraman qui a pas sauté assez loin. Mais t'es pas tombé.
Déjà, je suis pas tombé, c'est le bloc qui m'a pas suivi. Exactement. C'est le bloc, là, il s'est décalé de sous mes pieds, là, chiant. Hein. Quel moment tu fais des blocs qui bougent, là, sur un parcours, hein, franchement. En fait, les blocs, c'est comme les rochers dans Sea of Thieves. Si tu fais « Ah !» devant, ça, bah, ça se décale. T'as sauté trop tôt, Blue. J'ai sauté trop tôt. Moi, au moins, je saute. Coup de saute, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Moi, au moins, j'essaye. Et le pire, c'est que de toute façon, on est quasiment sûr à 2000% qu'en haut, il y a absolument rien du tout. Hein. Ah, mais il y a rien, ouais. Absolument rien. Ah oui, oui, oui. Mais c'est juste dire, ça y est, m'emmerderai plus, j'y retournerai plus. Le dernier que j'ai fait dans ce jeu, c'était à... Comment s'appelle cette ville déjà? Une ville. Ouais. Ratatan. Ah oui, oui. Oui. Celui oui, qui t'amène en haut là. Pour monter sur le toit, ouais. Voilà. C'est le dernier que j'ai fait. Entre 23h et 6h du matin. Mais j'ai un vague souvenir de l'avoir fait à peu près à cette même heure. Hein. Ouais. Oh, crrr! C'est mieux quand y'a personne. Ouais, bah ouais. Globalement. Je vais manger mon micro. Ah! Bon! Non! Ah, si, si, je vais manger mon micro. J'aime ce moment où tu atterris bien. Oh, non. Mais tu as l'impression de pas être au bon endroit. Donc tu te décales et tu tombes comme un con. Parce qu'au final t'étais au bon endroit. Exactement. Je viens exactement de le faire. J'en ai plein de cul. J'étais debout sur le poteau là. J'étais bien. Si je bougeais pas, je tombais pas. Et j'ai rebougé. Ah, je vais pas m'énerver. C'est faux. Doigt de con. Encore une histoire de doigts, hein. Mais oui, mais toujours les doigts. Mais... Par contre, c'est sur ce coup-là. La chute qui est injuste, tu sais. Mais... J'étais dessus. Oh, on est marre. Everything is alright. Non, c'était l'autre, il a sauté en même temps que toi, il t'a rendu en erreur. C'est ça, il m'a rendu d'erreur. Oui, oui, il a rendu d'erreur. Il l'a rendu d'erreur. Non, mais c'est parce que j'avais soif là, du coup, j'étais pas. T'es dans les bonnes dispositions. Mais merde! Je me cogne sans arrêt la tête sur ce con de bloc de cul. Un bloc de cul, c'est-à-dire. Bah c'est un bloc qui a été de cul. Mais j'arrive même plus à faire le premier saut là, c'est. Bon, c'est mon dernier essai, j'annonce hein, voilà. Ouais, on va dire qu'on va faire ça. Au bout d'un moment, Au bout d'un moment, Nick. Exactement. Comme les Legends. Bon, celui-là, ça compte pas. Non, ça compte pas, celui-là, parce que c'était de la merde. J'ai juste pas sauté, j'ai couru dans le vide comme un con. Et... Ok. Pas ok. Ah, mais saute, son bras bruti. Aïe, je sens venir les insultes arriver. Ah oui, oui, oui. Oui. Oh, je vois pas ce qui te fait dire ça, mais oui, oui. Non, on va. Pour rien, hein. C'est une constatation, c'est tout. J'arrive même plus à faire le premier saut, quoi, donc au bout d'un moment. Ça m'énerve. Je me casse. Je vous emmerde et je rentre à ma maison, voilà, parce qu'on je a dit, tiens, passer. On va aller voir le nouvel bloc. Objet. Je me cogne la tête. Ben voilà, c'est bon. Voilà, des bisous. De ouais, ouais, en fait. Rentre à la maison, au chier. Il a fait la maison. Tous à la maison. Voilà.
Et du coup, oublié le jardin là. Alors c'est pas à la maison, ma maison, mais c'est à la maison. Oui, là, oui. Moi j'ai refait mon intérieur presque. Et pourquoi j'ai besoin de claquer des. Putain, pardon. Alors comme ça on a refait tout l'intérieur. Presque. Bah du coup, il va y avoir un squattage chez Iseline juste après pour aller voir ça. J'avoue. Ouais, faut que je vous ouvre. Ouais, pareil, c'est mieux. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est sympa, mais je suis pas fan du socle là. Je pensais que c'était plus grand, donc ça va. Ah, mais c'est écaille dans ce pays. Ah bah, j'avoue. Voilà. Ah, mieux. Quoique, normalement, j'ai. Ouais, voilà. Ah, dit-il, on se les caille, mais dit-elle, se baladant à moitié à Walp là. Elle sent chaud. Non, ça froid. Ça froid. Mais ouais, pour le coup, vu les screens, je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus gros, mais c'est cool, hein, c'est bien. Ils sont... Ouais. Bah, faut mieux que ça soit comme ça en fait. Ouais, carrément. Mais ouais, je suis pas fan du socle là, c'est. Ouais. Le reste est très cool, mais le socle, je suis pas fan. Il faut que j'aille voir si c'est pas le bordel chez moi d'ailleurs. Ah, vite, ranger, vite! C'était un peu ça. Ça chauffe les mains! C'était quoi tout à l'heure? C'était. Ça. Ça froid! C'est ça? Non. Ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est quoi déjà? Ah, c'est insisté. Ouais, mais je l'ai pas. Ah, c'est ça. Ah, ça c'est froid, froid. Ah, oui. Ah, t'as froid. Ah, j'avoue. Ouais, celui-là, ça passe bien. Ah, c'est Ah, froid. Il faut raviver le feu. Tiens, faut raviver le bois. Tu raviver, toi, tu viens. Aïe, aïe. Non, mais en vrai, ouais, il est cool, j'aime bien. Aïe, aïe. Bon, bah, en tout cas, c'était sympa cet event, hein, voilà. Bon, à part la partie où on a fait une heure et demie sur deux étages, là. Par la partie de puzzle jump dégueulasse, ouais. Mais... Non, mais je finirai par essayer de le refaire, mais pas maintenant. Ouais. Ouais. De 5h à 6h du mat quand il n'y a plus personne. C'est ça. Mais enfin. Bon, c'était cool, ouais. Très très cool comme event. Bon, l'histoire, bon, vite fait, voilà quoi. Mais bon. Mais les objets, très très cool. Ouais. Clairement. Ça change des événements habituels. Bah, les feux de la mort, généralement, ça régale bien. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand tu vois les derniers événements qui sont passés là. Ouais. Ah, bien de la merde. Hein. Bon, ça y est où chez ta Teslin? C'est à la plage. Qu'est-ce qu'il a vu? Un skin de Palico qu'ils ont rajouté pour l'été. Oh, je le veux. C'est débile. Oh, je veux. Est-ce que j'étais déjà venu chez toi? On va voir l'intérieur de ta Teslin. Oui, faut aller visiter ta Teslin. C'est vide à l'intérieur. Ah. Mais t'as dit que t'avais refait l'intérieur. Oui, mais pas l'intérieur de ta Teslin, l'intérieur de la maison. Ah. Je l'avais pas compris, moi. Celle qu'elle prend visite, du coup. J'allais la faire, du coup. Hein?
Non, j'avais des affaires, mais bon. C'est quoi qu'on visite du coup? là. Bon, je n'ai pas fait les couleurs. Oh. Ah, ça rend bien. J'aimerais bien un de ces trucs en intérieur, mais manoir à garder, tout ça, bon. Ouais, je gardais. Je suis chiant de foutre ça et je garde quoi. C'est vrai. Bon, il manque quelques trucs quand même encore. Hein. Oh, ça rend bien comme ça. Ah, les fenêtres et le clip. Oh, j'avoue. Ah, ah. En me connectant tout à l'heure, tout à fait. Bon, ok. Cacher ces fenêtres que je ne saurais voir. Oh, secours mes yeux. Mais c'est cosy ici donc. Oh, j'avoue. T'as C'est mon petit coin. Est-ce qu'il est moelleux? Essaye. Tu vas bien voir. Alors non, dans le bon sens. Là. Ah, c'est très très moelleux. De ma main. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir dormir par terre. Je vous laisse le lit. Allez, salut, ciao. Allez, merci, à plus. Hein. Ah, dodo. Allez, bonne nuit. Je vais prendre en bas. Bah quoi? Ça a coupé, j'ai pas compris. Allô? Je disais, par contre, c'est pas fermé, donc tous les bruits, je vais les entendre du banc. Hein. Comment ça, des bruits Après, est où, hein? Ouais. Déjà, tout comme il dit. Tellement stylé, ce coin. Mais... J'aime beaucoup. J'ai eu... Non, il a raté. Arrête. Il a raté. Ah, il s'est... Attends, où est-ce que t'as mis le verre du coup? Non, je mais c'est la réponse. Mais franchement, c'est un secret. Comment ça a fait pour entrer? Yes, oui, magicien. Je suis consterné, je suis. Ces fauteuils, ils sont tellement bien. Ouais. J'avoue. Faut que j'en mette un troisième. Et où, je sais pas où. Toujours plus de fauteuils. Ah, j'en vais mettre partout. Ah, oh, c'est pas con ça, l'escalier comme ça. C'est vrai que c'est haut ces conneries, hein. J'avoue. Bah, je me suis dit, les jours où je rentre, où j'ai un peu trop bu. Pourquoi est-ce que les servants, tu peux les appeler à côté de la baignoire Quoi, mais c'est pas le servant, c'est l'esthéticien. Ah bah c'est encore pire. Ah. Mais non. Ouais, je sais pas ce qui est le pire en fait. Ouais, j'hésite. Non mais vraiment très cool. Ouais, c'est plus sympa. Faut que je termine. Mais bon, bah c'est bon, hein. Ça clip. Attends, c'était quoi? T'as fait l'intérieur, toi? Eh oui, tu es sur un autre ton, hein. T'as fait l'intérieur ou pas? Oh, si je vais faire à l'intérieur, mais... On va visiter Blue la prochaine fois. On ne fait pas ça. Faut
faut bien tout dépoussiérer un peu de temps en temps. Hein. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Ah. Non, c'est assez perturbant cette maudite fenêtre. N'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Je Ah, il y a plus de fenêtre. Ah, il y a plus. Alors... Ah, ça a disparu. Ça attends. Non mais ouais, j'aime beaucoup l'intérieur. Très hâte de voir ce que ça va donner une fois fini. Ah, faut que je trouve des idées pour en dessous la mezzanine. Ouais. Faut que je trouve une idée pour tout le milieu là aussi. Ouais. Parce que je trouve ça pire. Et faut que je finisse le haut. Ouais. Mais ouais, non, mais là t'as déjà un bon début. Il rend très très cool. En vrai, faut que je termine la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh, y'a un bordel de vaisselle, j'avais pas vu! Bah attends, ah ouais. Je vis toute seule, tu crois quoi? Ça fait pas sa vaisselle. C'est vrai que. Oh, j'avoue! Le pinard, bien évidemment. D'accord. Justement. Je le cacherai mieux la prochaine fois. Oh, il y a le bois, il dépasse là-haut. Ouais, mais il faut que je le remette bien là. Tu sais, les deux chieurs qui arrivent à la fin. Bah, comme habituellement avec vous deux, hein. Oui. C'est un peu vrai quand même. Par contre, du coup, les servants en cage, c'est. Alors non, c'est que là, faut que j'arrive à trouver une idée aussi. Donc en attendant, je les ai foutus là, le temps de finir la cuisine. D'accord. Donc, non, je me demande, c'était juste pour. Bah alors le deuxième. Après, tu sais, t'as le droit d'avoir, de faire ce que tu veux avec tes servants. Hein, pas là pour juger. Ouais, j'avoue, la prochaine fois, je mettrai un skin de blue. Mais. Mais ça va, oui. Ah oui, du coup, il n'y a que la fenêtre qui est là. Ok. Mais j'avoue que mes sièges là-bas, dans mon petit coin, là... Ah, ils sont cool. Je suis pas peu fier. Ah, clairement, ils sont cool. Ouais. Ah, j'avais pas vu là-haut. Là, l'étagère. Faire ouais, bah justement, c'est ma vaisselle. Bah bien sûr que tu peux. Non, ah, alors. Ouais. Peut-être monter sur la vaisselle sale. Ah, on peut pas monter sur la vaisselle sale. Ah, c'est chiant. On peut pas monter là-dessus, là. Ah, ça pousse. Jamais à l'intérieur. Comment ça, ça pousse? Vas-y, le meuble, il pousse. Ah, non, arrête. Ah. Ah. Mais. Il est tout relou, ces conneries. De la merde là. Ah, je sais. Ouais, quoi, compliqué. Alors, vous verrez qu'il ne faut jamais inviter Blue et Link chez vous. Ouais, écoute, on est des petits chats, hein, on grimpe. Hein. Exactement. Ah, ça. Mais t'as encore loupé. Et en plus, t'as sauté sur ma caisse de pinard. Non, mais je te jure, hein. Allez, ouais, on prend appui sur ce qu'on sait, hein. Tu casses une bouteille, tu la repayes. Non. Ah, si. Tu me dois au moins un tonneau. Ouais. Ah, oui, tu casses une bouteille, tu peux repayer un tonneau, putain. Ah, ouais, il vénère le. Sont vénères les intérêts chez toi, hein. Bah c'est uniquement parce que c'est Blue, hein. Ah ouais.
Non, mais c'est pas grave, hein. Prochaine fois qu'il faut l'aider sur Guild Wars, il se débrouillera. Hein. Oh. Oh, excusez-moi, madame, pas beaucoup de place, hein, donc... Ouais, on fait ce qu'on peut. Ouais, ce qu'on peut, hein. Oh là là, ils fusionnent tous les deux. Non. Ah si. Du coup, ça devient un blonk. Il y a une jambe qui part d'une des côtes de Blue. Ouais, alors... De mon point de vue, faut le faire, hein. C'est vrai que de ton point de vue, c'est un peu bizarre. Hein. Ouais, bah je suis en contrebas, donc du coup. Ouais, mais ouais. Oh, pardon. Tout comme il dit. Non, je me suis planté, j'ai mis cette fenêtre dans mon inventaire, mais non. Ouais, j'ai encore 80 places à peu près pour mettre tout ça là. Non, oh, ça va. On va le faire. T'as un peu de marge. Ouais. Ah, c'est ça. C'est vrai que la main de Link a l'air d'être dans le haut de Blue. Ah ouais, il avait la main sur son sang, ouais. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. D'accord. Sachant que Blue n'en a pas sur son perso, c'est bon. Ça passe. Hein? Inquiète, toi. Va vraiment se calmer, la petite, là. Hein. J'ai le droit. Hein? J'ai le droit du gratuit ce soir. Pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Mes poissons! J'avoue que tu prends une carpe en pleine tronche là. En plus, elles sont pas petites! C'est pas le mage bleu qui a lancé cette carpe? Ah, c'est la sardine volante! C'est... Ouais, c'est la lance des sardines, ouais. Que je re-rentre un peu cette fontaine dans le mur. Tu rentres ce que tu veux dans ce que tu veux, hein. On n'est pas là pour te juger. Mais c'est qui est mal positionné, ce truc-là? Non, mais il va falloir que je mette un peu à réfléchir au housing là, parce que bon, c'est pas qu'on a une maison de CL à faire là, mais. Ouais, bah moi je finis ça, après je m'attaque à mon appart et après je m'attaque à ma chambre dans ma CL. J'ai pas du tout la même chose à faire. Hein, Ouais, bah ouais. C'est vrai que t'es là, ouais, ça serait bien d'avoir une moyenne, tout ça, et puis maintenant qu'on l'a. On l'a, c'est voilà. D'objets, plus d'idées, hein. Il y a 3 meubles qui se battent en duel dans le jardin, et puis c'est tout. Ouais, c'est à peu près ça. De l'autre côté, il y a 3 meubles dans le jardin, et 3 meubles par étage, et voilà. Bon. Bah pour le coup, je pense que, de mon côté, je vais faire vite fait en speed l'event avec un de mes persos mec. Pour voir comment ça ressort. La tenue. Ah oui. Je pense que le bas est différent. Ouais, mais justement pour voir comment le ça sort. Le haut reste à peu près, ouais. Tout est différent. Quoi? Le haut a un soutif aussi chez les mecs? Je pense qu'ils n'ont pas besoin de soutif, tu vois. Les sandales aussi sont différentes. Eux, ils ont des sandales normales et pas des patins. C'est bien ces patins. Oh, non. C'est... Ça ressemble à rien. Bah, c'est vrai que ça aurait mérité d'être un petit peu plus vers le talon, quoi. Mais bon. Je sais pas, c'est chelou.
Ouais. Vraiment pas fan. C'est un peu la mode de ces chaussures-là, donc forcément, voilà. D'accord. Alors, je t'avouerai que ça, c'est le genre de truc où moi... Ah, j'ai pas vu, moi. Oui, non, mais... Après, si j'ai... Je me souviens bien, attends. C'est un peu aussi le style de certaines chaussures un peu pour geisha qui existaient pendant un moment. Mmh. Ouais, le bandeau est sympa bien. Aussi. Vraiment très cool. C'est bien ce que je me disais. Voir un peu les teintures hein, du bandeau. Ce que ça rend. En fait, le truc que je trouve dommage, c'est que sur beaucoup de couleurs en teinture, tu perds le... les motifs qui ressortaient bien sur la version noire. Ils sont teints quand tu teins la tenue. Du coup, je trouve que c'est un peu chiant, quoi. C'est pour ça que je pense que pour moi, elle restera en noir. Et quand tu la mets encore plus noire qu'elle ne peut être noire, c'est particulier. Non, je testais les teintures. Ouais, moi aussi. Ah. J'en ai trouvé une qui est pas mal. D'où mon Oscar. Que j'aime bien. Bon, allez, on va switch de perso. Et on va voir l'event côté mec. De toute façon, comme je disais, ça c'est un event que je vais faire avec tous mes persos. Ouais, clairement. Parce qu'on a une tenue bien cool là, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ouais, que je les monte. Mais quoi ? Les autres persos. Ah, oui, d'accord. Ah, j'avais pas vu que ça avait été. Ça avait clippé. Donc, allez. La quoi cette tenue sur un level? Pardon, quelquefois j'ai des questions existentielles dans la vie. Une tenue sur une patate, comme d'hab quoi. Je pourrais limite t'envoyer un screed avec ma Lalafel. Ouais, mais je suis en train de me poser la question si je vais pas le faire avec la mienne. Mmh. Oh, ça va, j'ai de la place. Pa, 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 pa.
Bon, il y a déjà un peu moins de PNJ de personnes autour du PNJ. Albi. Ah non, c'est que ça avait pas chargé, autant pour moi. Ah. Alors, console. Ah mon dieu, il y a un Kojé derrière moi. Un mec en armure Kojé, là, c'est... C'est spécial. Allez hop. Oui. Bon, on va passer par ce super super montée de bombes là. T'as raison. C'est une valeur sûre. Bah, disons que c'est toujours plus rapide que passer par le taux des sauts là. Ouais, c'est pas faux. Puis c'est bon, les sauts, j'en ai eu pour un petit moment. Là. Pub. De l'argent. Oh, j'ai failli remarcher dans le geyser. C'est fou comment ça a été fait. C'est fait en 5 minutes hein, au final. Oh, c'est vrai qu'elle est stylée. Très très glace.
Ok. Ah oui, oui, oui. Ok. Ah, oui. Pourquoi pas. Ouais, très très classe, j'aime beaucoup. Et du coup, en termes de teinture, est-ce que c'est comme côté femme, hein? Si tu mets une teinture, tu perds les motifs. Et en partie, ouais. Ouais, sur le short. Ouais. Bah, de toute façon, tout ce qui est teinture foncée, tu perdras forcément les motifs. Donc, faut se tabler dans du clair. Tout voir, quoi. C'est dommage. Ouais. Sachant que les teintures claires sont la plupart très dégueulasses. Ouais. Ouais. Et bah, je pense que ça restera en noir et blanc. Quand tu mets du full blanc, attends, tu vois plus rien en fait. Ouais. Oh, y'a elle là, j'avais pas vu. La Lafelle avec des couettes là, comment elle s'appelle? Je sais plus. Ah oui, Momodi, voilà. La Lafelle avec des couettes. Oui, non mais. Momodi, du coup, ouais. Mm. Tain, en fait, il y a plein de PNJ dans le coin. Tout ça cause à Estol. Mais. Ah, j'en profite, je fais un tour vite fait, voir si je trouve des PNJ en plus, mais... Là, il y a les poupettes. Wouah! Ah, il y a une barrière anti-monture tout au long, tout le tour de la barque où vous vouliez aller. Ah ouais. Oui, mais on sait pas comment y aller, il y avait plein de monde dedans tout à l'heure. Et on pense qu'il faut être tout en haut du truc pour pouvoir sauter et... Ça me paraît très très haut pour aller... J'ai peut-être une idée. Oh mon dieu, j'ai vu un néon. le toboggan est là. Oh, les hommes musculeux. Ouais, bah voilà, en sprintant ça passe. En fait, tu sprints, tu sautes et c'est bon. Par contre, tu ne peux pas. Quand t'es sur le bateau, tu peux pas sauter. Enfin, sur les parties hautes du bateau, tu peux pas sauter parce que t'as une barrière anti-monture. Oui. Très bien. Mais très bien. Très bien, très bien.
Bon, et ben en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour FF. Hein. Yep, moi je crois que je vais vous laisser là. Et yep, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Faut quand même bosser demain. Ouais, bah il paraît. Hein. Hey. Ouais, faut aller bosser, ouais. Ah, ça peut vous rassurer, faut que je me lave aussi donc. Oh, mais moi je me laisse pas. Oh, c'est juste que je suis tard. Ah. Ouais. Pas forcément mieux. Ouais. En vrai, tu joues avec un genou en braque. Oui, en plus, oui. Bah, en espérant que ça se guérisse vite quand même. Hein. J'en ai pour une très grosse semaine. Ouais. J'ai eu de la chance. Ouais. On va dire ça comme ça. Parce qu'à la base, il était déboîté quand même. Ah oui. Ah oui, quand même. Ouais, mais c'est le privilège d'avoir eu un ostéopathe pas très loin. Ouais. Que quand t'as des glandus. Je sais oui, ce que bah ça oui. donne. Du coup. Aïe aïe. Bah bon courage à toi en tout cas. Mais enfin. Bon allez. Bah, ouf, la bonne nuit. Ouais. Ouais. La bonne fin de live, la bonne nuit à vous. Merci bien, bonne nuit à vous, merci okay. encore pour la soirée. Ah bah, un plaisir, c'est cool. Ouais, très très cool. Et bon du coup, potentiellement samedi soir, il y a des gens... Ouais, on peut être par là, ouais. Je serai pas là. J'ai pas entendu. Je serai pas là, normalement. Oh. On verra. Ouais. On verra ça. Sinon, ça sera extrêmement très tard. Oui, bon. On verra ça de toute façon avec les dispos, les présents, tout ça, tout ça. Et ça. Bah, du coup, bah, la bonne nuit à vous et bon courage pendant. Ouais, yep, merci. Bonne nuit. La bonne nuit. Allez. Ciao. 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 Bon, pour le coup, je pensais pas qu'on allait rester 2h30 sur l'event. Je pensais pas. La bonne nuit, Blue. En vrai, je suis quand même curieux d'aller voir avec un Lalafell la tenue. Je suis curieux. Mais ouais, je pensais pas qu'on allait rester 2h30 sur le truc. Donc, je pense pas qu'on fera du tournage ce soir. Je vous le dis. Parce que comme je disais, je dois me lever aussi demain, donc voilà. Je me dis que on verra peut-être demain pour du tournage. Ou... Parce que demain, il n'y aura pas de live avec Joker, donc on fera autre chose. Quoi, je sais pas encore. Vas-y, je peux y aller avec Malala. Elle a pas. Je peux pas y aller avec le niveau. Ah, c'est con. Bon, c'est bien, les deux, ils ont le niveau. Oui, j'ai de la Lafel. Mais Ah, je te ferai un screen si tu veux, Isley. Limsa. J'en ai qu'une et ça suffit largement. Ah, moi j'en ai deux, j'ai homme-femme.
Mais pour le coup, je pense que le tournage, on verra ça peut-être demain. En fonction aussi de ce que fera la Hello. Ah, je suis pas allé à Costa del Sol avec lui. Bon, on va aller là. Si d'ailleurs pour le coup j'ai pas le vol non plus. Donc on y va en moto, écoutez hein. Mais ouais, selon ce que comment ça se prévoit demain, peut-être tournage le soir. L'après-midi, c'est sûr que non, il y aura pas de live l'après-midi, ça c'est sûr et certain. Et sinon peut-être soit Mass Effect, ouais, de toute façon il faut que je tourne du Mass Effect avant, avant lundi. Ça c'est sûr et certain, puisque je n'ai pas d'épisode pour lundi. donc voilà. On verra d'ici là pour se faire une session de Mass Effect, une grosse session. Genre 3-4 épisodes minimum. Et on verra ça. Bon, avant d'aller à l'event, on va aller récupérer les territes. Oh, ce Rodgar habillé en rose, crinière rose. Aou. Mais ouais, en gros, le puzzle jump en haut, t'as juste une planche en mode saute. En mode je saute et vous n'aurez jamais les plans. C'est pas l'aura qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est pas l'aura qu'on a vu tout à l'heure. Elle y ressemble. Mais c'était pas la même coiffure. Mais ouais, pour le coup, là, les tenues sont vraiment très sympas. Les deux sont très cool, mais c'est dommage que, du coup, on n'ait pas accès aux deux skins en fonction du sexe du perso, en fait. C'est très con, mais que tu puisses avoir juste bah, le slip de bain ou le short pour les deux, en fait, ça aurait été bien. Parce que le short est trop stylé. Et j'aurais bien vu Dylan avec ce short. Mais bon. Bon, allez, on va consoler Michel. Take. Ah, il y avait une petite Lalafell en Yukata. Tac. Allez, let's go. Ouah, il y a des... C'était un mog? Ah oui, ok, il y a un mog qui fait le tour des trucs. Donc il y a vraiment toutes les races... toutes les tribus qui sont là en mode... ouais, c'est la fête. Très bien. Oup. Ça va péter. On s'en va.
Non mais j'avoue, une petite, ce que je disais tout à l'heure en fait avec Isine, une petite soirée puzzle jump, ça pourrait être sympa. Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, on a fait une ou deux, mais voilà, ça pourrait être sympa, puisque comme je sais de toute façon que Rod et Isline les font, bah je me dis que ça peut être sympa de les accompagner et de faire une petite soirée pour faire leur succès de puzzle jump. Bon, c'est quand même toujours plus sympa à faire à plusieurs, quoi. Et plus drôle aussi. Voilà. Alors, comment ça rend sur Malafel homme. Oh, il y a Alpha. Ah non, c'est une mascotte. Oui, c'est une mascotte. Putain, bon, attends, ils ont même mis Alpha qui vient ici. Alors, cette tenue. Elle est cool, hein. En vrai. Elle passe bien. Même le bandeau, il est tellement stylé. Ouais. Très très classe. Ouais, alors non. Non. Bon, bah en tout cas très cool. Ouais, l'autre la fin, je la ferai plus tard. On verra à quoi ça ressemble une autre fois. De toute façon, on a vu globalement le skin de la tenue sur la face, ça va être le même mais en plus petit, hein, donc bon, on va pas rater grand chose. Bref. Tech. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit live. Petit live des 20 FF, en vrai, il était cool. Hein. Bon, il était niveau histoire, bon, c'était pas non plus exceptionnel, mais en termes d'items, bah, c'est toujours cool d'avoir des tenues qui sont sympas en fait. Toujours très sympa, donc c'est une validation. Allez, et bien sur ce, encore merci à Midian, Islin et Blue qui sont venus ce soir, m'accompagner sur cette soirée puzzle jump improvisée. Et merci à vous d'être venus sur le live, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Demain soir, bah, comme je dis, donc il n'y aura pas de live avec Joker cette semaine encore. Parce qu'il n'est pas dispo, et à la place, bon, on fera autre chose, on verra, en fonction de comment ça se goupille. Mais s'il y a moyen, on partira du coup sur du tournage de Mass Effect. Sinon, on verra ce qu'on fait. Vous inquiétez pas. On a plein de choses à faire. Terminez, c'est vous qui voyez numéro 11. Continuez, c'est vous qui voyez numéro 12. Continuez Dark Souls 2. Continuez Kena. Continuez... Bon, Red Dead, je le mets un peu en pause parce qu'en ce moment il fait extrêmement chaud et le jeu fait tourner le PC bien à balle, donc bon, voilà, on va éviter de faire le con. Mais bref, voilà, plein de choses à faire, vous inquiétez pas. Bref, sur ce, la bonne nuit à vous, encore merci d'être venu, et on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, et que la funk soit avec vous. Ciao, ciao.